Salut tout le monde. Je crois que c'est l'heure, 21h01. J'ai même un peu de retard. Ah, il y a du Lambert là, d'après ce que je vois. C'est la première fois que je suis en live et je découvre le stream avec chat. Ça donne envie de s'arrêter et de vous regarder parler. C'est bon, le son n'est pas dégueulasse. Alors ma machine, on a fait pas mal de tests, comme celles et ceux qui sont passés avant moi doivent le savoir. Et elle n'est pas trop dégueu, mais elle risque quand même au fil de la soirée de chauffer, de prendre un sacré coup dans la gueule. Donc on espère que ça va tenir, que le matos va tenir. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende, allez, encore 2-3 minutes, et après je balancerai, j'ai un générique. Qui n'est pas animé, hein, c'est juste une musique avec l'image fixe. Mais voilà, on se lance à 22h05, à 21h05, pardon. Je balance le générique et puis et ben je vais vous faire d'abord je vais vous faire le programme de la soirée. Comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir pour les gens qui sont déjà là. Donc, j'interviens ce soir sous le nom Aléric de Gans et c'est un pseudo que j'ai pas utilisé depuis au moins 5 ans, 4 ans. Puisque, après avoir produit un dernier écrit pour Le Feu Sacré, c'était pour la revue, Le Zéro, sous ce pseudonyme, eh bien, j'ai repris mon nom dans l'état civil et je suis passé à une activité d'auteur militant. Et donc, je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai arrêté d'être Aléric de Gans, ce que j'ai fait depuis ces 5 ans, et vous expliquer que j'aimerais bien aussi, après, revenir à une pratique artistique et ne plus tout cramer dans le militantisme. Mais j'ai pas vraiment de moteur. J'ai pas vraiment de moteur qui m'anime. Et par contre, un des trucs qui m'occupe beaucoup en ce moment, c'est les relations amoureuses. C'est assez orageux depuis quelques mois, donc ça me donne envie de m'y pencher. Et c'est pour ça que ce live de la soirée s'appelle Love Affair, parce qu'on va parler essentiellement d'amour. Donc, une fois que j'aurai fait mon intro, qui peut durer quand même 45 minutes, hein, ça va être une intro consistante, hein, je me fous pas de votre gueule. Après, on va passer à l'amour. Et alors, là, il y a un programme, il y a un vrai programme. Je vais vous lire un texte en introduction. J'ai le feu, bien sûr. Je vais lire un texte en introduction, et ensuite, je vais vous diffuser un entretien que j'ai eu avec un ami qui est chercheur en philosophie, en phénoménologie, plus exactement. Et qui s'occupe de l'étreinte amoureuse, du sentiment amoureux. Donc, on a fait un entretien ce matin, il ne peut pas être là ce soir, on a préenregistré. Je vais vous diffuser ça, ça fait à peu près 35 minutes, vous allez voir, c'est un super entretien. Et une fois qu'on aura eu ces éclairages sur l'amour, sur le sentiment amoureux, et toutes les notions qui en découlent, le désir, le besoin, machin, eh bien, on va passer à l'amour problématique, c'est-à-dire à l'amour vu de point de vue minoritaire. Donc, on va parler un peu de ce que disent les féministes de l'amour, mais aussi de ce que peuvent dire des rappeurs, notamment Damso et Booba. Il sera beaucoup question de Damso et Booba tout au long de ce live. Et pour terminer, j'aurai l'immense honneur, l'insigne honneur d'accueillir Warren Lambert, qui sera là par la voix, hein, il viendra directement des cieux, et qui parlera avec moi d'un livre qu'il m'a conseillé de lire, qui est L'éloge de la fuite d'Henri Laborie, qui a déjà, je crois, été évoqué dans les lives précédents. Donc on va continuer de tirer le fil. Et Warren viendra discuter avec moi. J'ai préparé deux, trois trucs, mais ce sera relativement libre. Et ce sera pour terminer la soirée en apothéose, en quelque sorte. Et il est 21h05, et comme je l'avais promis, je vais vous balancer mon générique. Je vous dis. J'ai pas fait autrement, ma haine n'a pas su cicatriser. La musique, jamais je suis à ce choix dedans. Contre-avéreux veulent me faire signer. Personne t'aimera comme moi, m'a dit maman. Si ce n'est le joint que je vais rouler, qui me fera oublier mes chances de ce monde. Le diable et son fessier bien roulé, très loin des maisons de disques, mais près de mon public.
musicalisé, très loin des ventes et des chiffres, mais près de la musicalité. Regarde au-dessus, il n'y a plus de nuages, la pluie ne risque pas de tomber. Regarde mon cœur, il n'y a plus de grillage, personne ne risque d'y entrer. L'absence de lumière fait que je suis dans le noir. On se dit frère parce qu'on fume quelques noix. La méchanceté des âmes m'attriste beaucoup. La voix des anges ressemble à moi, celle des vautours. J'ai peur dans mon cœur, il me porte l'œil. J'ai tué le game et j'ai fait le deuil. Ce mec me dit qu'on est ensemble, mais en cas d'échec, je serai tout seul. Sperme dans la bouche, elle aime le goût du risque. Elle croit pas en moi, mais veut être sur la liste. J'ai qu'un seul amour, c'est la chanson. Solitaire, je n'ai pas besoin d'attention. Enfermé dans cellule, je dessoule. Je reprends conscience de mes soucis. Dans son vagin, je me défoule. À chaque je t'aime, je me débrouille. Pour elle, je suis autre chose que Damso. Elle voit en moi ce que je ne vois plus. Métissé comme touche de piano. Entre le vivre et le vécu, je fais un malaise eucharistique. Je suis entre sucré et salé. Le diable se cache derrière l'artistique. Pour le milieu de la musique, je t'ai pas prêt. L'absence de lumière fait que je suis dans le noir. On se dit frère parce qu'on fume quelques noix. La méchanceté des hommes m'attriste beaucoup. La voix des anges, c'est moi, celle des vautours. Dieu ne ment jamais. Non, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Hey. Dieu ne ment jamais. C'est le titre de cette chanson. J'espère que ça allait, que ça a roulé. Je monitor un petit peu sur un autre ordinateur en même temps. Je crois que ça a bien tourné. Dieu ne ment jamais, c'est une chanson de Damso, qui est un rappeur bruxellois. Enfin, il est né à Kinshasa, mais je crois qu'il a la nationalité bruxelloise désormais. Et c'était une reprise d'une chanteuse pas du tout connue, qui s'appelle Jeanne Oslo. Voilà, si vous avez envie de voir d'autres choses de Oslo, elle fait quelques reprises, et c'est loin d'être que du rap, mais j'ai trouvé cette interprétation vraiment pas dégueulasse. Donc, vous avez entendu, hein. Je suis à l'aise eucharistique, je suis entre sucré et salé, le diable se cache derrière l'artistique, pour le milieu de la musique, j'étais pas prêt. Voilà, c'est très beau. Je sais pas si on était prêt pour le milieu de l'édition, mais... C'est ce soir donc le live d'un mort, d'un genre de zombie, puisque Aléric de Gans n'a quasiment rien fait depuis 2018-2019. Et je reviens pourtant ce soir sous cette identité. Il se trouve que le numéro... Alors, c'est quand s'il y a des feux sacristes dans le live, est-ce que vous pouvez, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire quand est paru le numéro 0? C'était 2019, hein, c'est ça? Il me semble. Je l'ai pas loin, en fait, je pourrais regarder, mais là, je crois que c'est ça, c'est courant 2019. Et courant 2019, c'était... ouais, c'est ça, merci, Warren. C'est en 2019, donc c'était avant l'été, si je me souviens bien. Et 2019, c'est aussi le moment où j'ai commencé à écrire ce livre. Je sais pas si vous voyez. Notre condition. Et ça, sur le salaire au travail artistique, Aurélien Catin, c'est moi aussi. Et j'étais donc en pleine écriture de cet essai qui m'avait été commandé par mon éditrice, hein, Anaïs Angelbert, qui a créé que vous voyez ici, là, c'est le site de Riot. Et donc j'étais en pleine mue. J'étais en train de peler de ma peau d'Aléric de Gans pour reprendre ma peau Aurélien Catin. Et je commençais à faire quelques conférences comme ça pour aller parler de droits des artistes en tant que travailleurs et non plus de droits des artistes en tant que propriétaires. Et après ça, j'ai été complètement embarqué dans le mouvement. Il y a eu la mobilisation contre la réforme des retraites à la fin 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était le début, c'était le 5 décembre 2019. On avait monté avec quelques collectifs, dont l'Abuse, collectif dont je fais partie,
un mouvement qui s'appelait Art en grève. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Art en grève. Je vais vous montrer en partage. C'était une manifestation hein, à l'hiver 2019-2020. C'était initiée par un certain nombre de collectifs de travailleuses et travailleurs de l'art, dont l'Abuse, dont vous pouvez voir le site actuellement chez vous, sur vos écrans. On n'arrête pas la technologie. Et Art en grève a été évidemment très prenant. J'ai terminé l'écriture de notre condition en février, en janvier 2020, et le livre est sorti le 18 février. Et à partir de là, eh bien, j'ai plus été maître de mon agenda, puisque j'ai été pas mal sollicité, soit pour faire des débats, des tables rondes, des conférences, pour écrire des articles aussi. J'ai notamment définitivement rassuré ma mère quand j'ai été publié dans le monde diplomatique. C'était un peu un quiproquo, je savais même pas que j'écrivais pour le monde diplo, puis c'est arrivé. Et c'était en août 2020, et à partir de là, les portes de la gloire de la gauchosphère se sont ouvertes en grand, et je n'ai plus pu refuser ce cycle qui s'enclenchait et qui m'a amené aux quatre coins de la France, jusqu'à, s'il vous plaît, Bruxelles est en France. Et je devais d'ailleurs aller au moment d'Omicron, je devais aller au Québec. Figurez-vous que j'ai eu une résonance internationale. Je suis un petit peu le François Bégodeau du feu sacré, quelque part. Et c'est là que s'est donc enclenché le cycle infernal, qui a été formidable, hein. J'ai beaucoup appris. Mais en même temps, c'est quand même un poil aliénant, et surtout c'est très asséchant. Et c'est marrant parce que je commence le bouquin, là, Notre condition, en disant « L'engagement politique a tendance à dessécher ce qui ne relève pas de son périmètre, il est gourmand d'énergie et de volonté qu'il consume en analyse, tactique et stratégie. Pour les militantes et militants, le risque est grand de tout sacrifier au combat. » Et ben voilà, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé avec un certain délice, mais aussi malgré moi. Et j'ai notamment sacrifié Aléric de Gans. J'ai aussi en partie sacrifié ma vie privée. C'est pour ça que nous allons parler de Love Affair ce soir. Mais avant ça, je voudrais revenir sur la carrière d'Aléric. Hein, une carrière fort modeste qui a commencé sur les réseaux sociaux, des publications en prose, hein, quelque part, presque du vers libre. Qui ont donné dans un premier temps lieu à une première parution bagarre. Vous voyez, ça c'est assez vieux, c'est des écrits de jeunesse. Hein. J'avais 25-26 ans quand j'ai écrit tout ça. Et ça a été, publié par Peignot Comet, qui est une maison d'édition associative. Et j'en profite, je doute que, je ne sais pas s'il regardera ce live, mais j'en profite pour remercier Bernard Lherbier qui a monté Peignot de Comet. Et qui un jour est venu me voir sur Messenger pour me dire ce que vous écrivez, là, c'est j'aime bien, si vous voulez, on en fait un livre. Et c'est comme ça que les choses ont commencé, et j'ai beaucoup de gratitude pour Bernard, que je n'ai jamais rencontré, figurez-vous. Il habite à Anglette, vous voyez Anglette ou pas, dans le Pays Basque, dans l'agglomération, la Biarritz. J'ai jamais foutu les pieds là-bas, et je n'ai jamais rencontré Bernard. On a seulement eu des échanges épistolaires. Ça, c'est le début de la carrière d'Aléric. Et la fin, c'est ce machin-là. J'imagine que vous êtes familière et familier du feu, donc vous savez ce que c'est. C'est le zéro. Le numéro zéro, et unique numéro, je crois, pour l'instant. De la revue du feu sacré. Et donc, j'avais produit, je dois dire, déjà un peu décontenancé par la... Oui, j'ai un oui. C'est l'unique numéro de la revue pour l'instant. Et peut-être qu'un autre surgira un jour, nous répondrons présent. Et donc, j'étais déjà un peu décontenancé, si vous voulez, par le côté asséchant et aride de la pratique militante, à la fois la pratique mais aussi la théorie politique.
qui sont des choses qui à l'époque me passionnaient, m'habitaient du matin au soir, vraiment, mais qui mettent dans une certaine position qui est peu propice à l'émotivité, dont j'ai besoin moi personnellement pour écrire des trucs plus littéraires. Et j'étais un peu comme ça, déjà ça me grattait quoi, j'étais un peu gêné aux entournures, et j'ai produit cette nouvelle qui s'appelle France Année Zéro. C'était le thème du numéro, c'était zéro. Et alors France Année Zéro, c'est une nouvelle qui est, je dirais, volontairement malaisante. Elle n'est pas très cadrée sur le plan politique, et c'est fait exprès, comme j'étais très corseté dans ma pratique militante, il fallait être d'une clarté totale, d'une limpidité totale, avoir des partis pris très visibles, très construits, très étayés. Et bien là, la nouvelle, c'était l'occasion pour moi d'écrire des trucs potentiellement où on ne comprenait pas très bien où je voulais en venir. Et donc dans cette nouvelle, France Année Zéro, le postulat, c'est que les paniques morales de l'extrême droite, vous voyez les hoax sur les réseaux sociaux notamment, sont devenues une réalité. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vivent en France pratiquent un genre d'islam rigoriste chelou, et l'école impose ce que les droitards à l'époque appelaient, comment ils appelaient ça déjà, les théories du genre. Rappelez-vous, c'était, maintenant on parle plutôt de wokisme, c'est plus englobant. À l'époque, c'était les théories du genre. Donc dans ma nouvelle, il se passe les deux choses. C'est à la fois plein de gens, une grande majorité des gens habitant en France sont devenus presque salafistes, quoi. Et puis l'école, dans le même temps, enseigne les théories du genre et a quasiment des pratiques pédophiles, quoi, hein. Je reprends les hoax de l'extrême droite. Alors donc il y a eu quelques critiques. Bon, la diffusion a été confidentielle, hein, ça. Je ne vous parle pas d'une shitstorm sur les réseaux sociaux, mais on a eu quelques remarques. La première remarque, c'était sur l'ambiguïté, c'est-à-dire on ne voit pas vraiment au début où je veux en venir, quel est mon positionnement par rapport à tout ça, qu'est-ce que c'est que ce monde, est-ce que c'est notre monde, est-ce que c'est moi-même qui suis peut-être d'extrême droite et donc qui parle de notre monde, mais en ces termes, ou enfin bref, c'est pas très clair, c'est pas très clair, en tout cas le début. Et puis la deuxième réaction que j'ai eue dans les discussions, c'était so what? C'est-à-dire, oui, bon, bah, les gens sont musulmans, pourquoi tu présentes ça un peu comme un problème? Oui, l'école enseigne des choses critiques sur le genre, pourquoi tu présentes ça comme un problème? Sauf que bah, l'ambiguïté était voulue déjà, parce que si dès le début j'explique ce que je pense avec des sources, etc., bon, bah, autant faire un essai. Et puis surtout, le so what n'est pas très pertinent parce que on n'est pas dans un univers où être musulman n'est plus un problème, c'est pas ça le propos. On n'est pas non plus dans un univers où l'école de la République fournit des outils un peu critiques du genre, hein. C'est pas ça qui se passe. C'est un univers où les fantasmes de l'extrême droite sur l'islam, sur ce qu'est l'islam, et les fantasmes de l'extrême droite sur ce qu'est le genre ont pris corps. Donc c'est dégueulasse. Enfin, c'est un univers un peu malaisant. On voit bien que ça manque de cohérence et que c'est un peu touchy. Et c'était bien le but recherché. Après, je dis pas que tout est réussi dans la nouvelle et c'est une œuvre majeure. Mais en tout cas, l'effet de malaise était voulu parce qu'il fallait montrer à la fois, disons, l'absurdité des paniques morales. Et en même temps, il y avait un petit propos dessous, je ne sais pas si ça s'est bien passé, si vraiment ça a été une réussite dans mon écriture, mais c'était d'expliquer aussi que quand on raconte de la merde et qu'on répète de la merde de façon massive, bien ça a un effet performatif, c'est-à-dire ça peut transformer le monde, donc c'est le postulat de la nouvelle, c'est que le monde a été transformé par les conneries de l'extrême droite, et que ça finit par de leur fantasme sur ce qu'est un musulman, sur ce qu'est l'école progressiste, n'est-ce pas? Eh bien, leurs fantasmes sont devenus la réalité. Donc, mon personnage évolue dans le paysage mental de la réaction. Elle est devenue vraie. Voilà. Donc, je sais pas, mais peut-être que tous les gens qui sont en ligne, en fait, ont déjà lu cette nouvelle, mais je vais quand même lire les deux premiers paragraphes.
ça n'ira pas très loin comme ça. Le ciel est en train de se refermer, c'est bientôt l'automne. Sur les avenues, les arbres s'étiolent, laissent s'envoler leurs atours dans les vents coupants. C'est un spectacle désolant, crépusculaire. Rien ne résiste au retour du froid. La vague avance et emporte tout. L'ambiance, hein, c'est pas la joie. La place des martyrs est à poil, la végétation a pelé, les terrasses des cafés ont été rangées. Clichy est une verrue, une garenne bétonnée qui défigure la lèvre nord de Paris. Ces rues sont tristes, tristes aussi les gens qui rasent les murs en cette fin d'après-midi. Une bannière blanche et verte surplombe l'entrée du supermarché Casino. On peut y lire en arabe et en français « Toutes nos viandes sont halal ». Les vigiles, de solides gaillards à la barbe épaisse, lèvent l'index et montrent le ciel aux clients qui pénètrent dans le magasin. Les allées carrelées sont bondées, les dernières barquettes de merguez s'arrachent à moitié prix. Près du rayon des vins, un employé somnole perché sur une auto-laveuse à l'arrêt. J'achète une bière, pas trop cheap, et je fonce au métro. Dehors, le soleil s'effondre, jetant de faibles rayons par-dessus les tours. Un enfant pique une crise à l'entrée de la station. Il se roule par terre, braille comme un putois. Sa mère le regarde en souriant, l'air épuisé. « Voilà, c'est pas juste !» crie l'enfant. « Je suis désolé, » répond la maman. « Tu veux un jouet ?» Je descends les escaliers, juste à temps, pour attraper une rame au bord de l'explosion. Vous voyez, le tableau est à peu près posé. Ça se passe à Clichy. À l'époque, j'habitais à Clichy, j'ai Clichy-la-Garenne, en 90. J'ai détesté cette ville-là, vraiment. Je hais. Aujourd'hui, là, vous me voyez, dans ma demeure du 20e arrondissement parisien. Ça me correspond plus, hein, forcément. J'ai 180 mètres carrés. Je suis seul. Vous voyez, cette porte-là, elle mène dans des tas de pièces. Il y a vraiment des... C'est un labyrinthe, c'est magnifique. Ma salle de sport, juste derrière, une piscine aussi. C'est formidable. Voilà, c'était la nouvelle du Feu Sacré. Et c'était la dernière création d'Aléric de Gans avant que je fasse mon retour sous ma vraie identité. Donc notre condition est sortie quelques mois après. Il a eu un petit succès à la fois populaire et d'estime dans un... voilà, tout le monde est là derrière, ils sont en train de me regarder dans mon home cinéma. Il a eu un petit succès. Alors dans un petit milieu, bien sûr, le monde, plutôt le monde des arts visuels, je peux m'en expliquer, c'est parce que le collectif dont je fais partie, c'est un collectif qui est initialement qui est né dans l'art contemporain, qui est né dans les arts plastiques. Et donc ma socialisation militante s'est faite beaucoup dans les arts plastiques. Alors aussi du côté de Réseau Salariat, parce que je fais partie de cette association d'éducation populaire qui a été montée autour des travaux de Bernard Friot, que vous connaissez, enfin je sais que certains ici connaissent Bernard Friot très bien. Donc là, c'est plutôt mouvement social classique, hein. CGT, Solidaire, France Insoumise, PCF, etc., CNP. Mais du côté de l'application des thèses friotistes au monde de l'art, et bien au monde, à la thématique du travail artistique, j'ai plutôt été socialisé dans les arts plastiques plutôt que dans le livre. Et pourtant, je suis auteur, mais ça s'explique notamment par des love affairs. Parce que j'ai eu plutôt des relations amoureuses avec des plasticiennes, et c'est elles qui m'ont mis le pied à l'étrier. Alors je peux citer au moins deux plasticiennes qui m'ont mis le pied à l'étrier, Émilie Moutsis bien sûr, avec qui j'ai eu une love affaire très longue, et Eva Barto avec qui je n'ai pas eu de love affaire, hein, je précise, mais je veux qu'elles en soient remerciées, parce que c'est elles vraiment qui m'ont poussé à appliquer ce que j'avais appris du côté du friotisme au travail artistique. Et c'était vraiment, ça a été passionnant, et ça continue, hein. Je continue à avoir un petit calendrier d'intervention. Il y a un article qui va sortir dans la revue Salariat dans pas longtemps, donc ça s'est pas arrêté. Mais disons que ça prend enfin une place, sa juste place dans mon existence. Ça m'habite pas entièrement, je suis capable de faire la part des choses et de vivre ça, cette fois, de façon un peu plus professionnelle. C'est pour ça que j'ai dit que je suis... souvent, je dis que je suis militant semi-professionnel, parce que mon écriture me permet d'être un peu rémunéré pour mon militantisme, puisque j'écris sur mon militantisme. Donc voilà, ça a un aspect plus professionnel, et j'aimerais bien
maintenant que j'ai un peu plus de disponibilité d'esprit et de temps, revenir à des choses plus artistiques. Et c'est difficile. C'est confinant ce soir. C'est vraiment ambiance psychanalyse. Je vous payerai pas à la fin. Il se trouve que le succès, le petit succès de ce bouquin, qui m'a valu de me professionnaliser comme auteur, eh ben, a quelque part étanché une soif de reconnaissance et a répondu aussi à mon aspiration à la bagarre politique, ce qui fait que j'ai là une pression qui est retombée et puis une forme de désir aussi qui s'est éteinte. Parce que comme j'ai un taf que je trouve pas dégueulasse, que j'ai une bonne maîtrise de mon activité d'auteur et de militant et que je vois du pays, et ben, enfin, je n'ai pas non plus le feu qu'évoquait Simon dans le chat tout à l'heure, n'est pas si dévorant que ça, quoi. Donc le moteur d'écriture me manque encore. Voilà, c'est un peu ce que je voulais faire en guise de bilan. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire la jonction entre théorie et pratique politique et pratique artistique. Sauf que ce qui m'occupe beaucoup ces derniers mois, et ce qui me prend beaucoup la tête ces derniers mois, c'est pas trop la littérature, c'est plutôt l'amour, on va dire ça, hein, avec notamment une série de ruptures amoureuses, parfois que j'ai voulu, d'autres fois que j'ai subi. Mais en tout cas, une petite série comme ça, une série noire, n'est-ce pas, ce qui me rend perplexe, et ce qui fait que la vie amoureuse et ses défis, qu'ils soient affectifs, matériels, sociaux, tout ça, ben, ça me semble un terrain d'exploration assez valable, qui peut me chauffer un peu, quoi. D'autant que si je veux continuer la lutte politique et la recherche militante sans me griller, c'est-à-dire sans me vider complètement ou sans m'assécher, il va falloir que je réfléchisse un petit peu à cette donnée, hein, à m'aménager aussi une vie intérieure qui relève de l'intime. Voilà, on a fini pour cette introduction, qui n'est pas si longue finalement. Et je vais maintenant passer au sujet, au cœur, hein, n'est-ce pas, du live de ce soir, qui sont les affaires de cœur, les affaires. Et pour commencer, en exergue, je voudrais lire un texte que j'avais publié sur Facebook en plein milieu de toutes mes galères amoureuses. Et je vais peut-être pas tout lire. Il est pas très long, mais bon, quand même. Ça commence par une citation de Booba, figurez-vous. Alors, je sais pas dans quel morceau, c'est peut-être Pitbull. C'est peut-être Pitbull. Je vous invite, hein, bien sûr, à tout noter et à écouter les morceaux dont je vous parle, puisque si jamais je suis amené à faire un nouveau live, évidemment, il y aura une interrogation écrite. Donc la citation qui doit venir de Pitbull, c'est « Pas à pas de pied ferme, sans savoir où je vais. J'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvée. » Ça me parle. Le texte commence comme ça. Moi, la politique, j'en ai rien à foutre. Je sais qu'on meurt comme des batteries et qu'on est des flashs dans la nuit. Alors, je précise, je ne l'ai pas relu depuis. J'ai fait un copier-coller tout à l'heure. Je ne l'ai pas relu depuis sa publication. J'espère qu'il n'y aura pas trop gênant. Après tout, les drapeaux rouges ne m'ont jamais fait vibrer. J'ai vu des gens trimballer des portraits de croisades en Paris, mais c'est surtout le piano qui m'a fait pleurer. Je le dis au cas où. Faut pas croire que je prends ça au sérieux. Un camarade du syndicat m'a mis un drapeau dans la main, j'ai dit d'accord, et j'ai marché jusqu'aux Invalides. Je suis un mec arrangeant. Vous voulez quoi? Que je parle du régime des artistes auteurs? D'accord. Vous voulez que je kick des centristes d'une réunion de l'intersyndicale? Ok. Les gens sont contents quand je m'énerve. Ils disent « Oh non, rien, pas ça ». Mais juste après, ils avouent que c'était justifié, et les centristes ne sont plus là. Maudits soient les centristes, non? C'est pas ce que dit la Bible. Je fais ce qu'on me demande sans discuter. Pas la peine de m'envoyer un courrier. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Je suis émotif, ça vient tout seul et c'est bien pratique. Je trouve mon inspiration dans les rivières de feu stop. Pas besoin de théorie. Foutez-moi sur le périph' de nuit et je vous ferai 400 pages d'écrits politiques tellement j'ai la mort.
Des fois, je sens le vent sur mon front et je me monte la tête, comme si tous les problèmes de l'humanité étaient concentrés en un point bien précis dans ma poitrine. Alors je sens l'amour des gens, mais peut-être que c'est moi qui fabule. Puis je reviens la tête haute à la Cantona, avec cette attitude un peu con de garçon. Je dis, vous voulez quoi? J'écris quoi? Je me mets où? Je porte quoi? La salle était comme ça quand on est arrivé, il faut bouger les tables. Je milite parce que je suis né triste et amoureux. Quand je sors le soir sur République, je me rappelle les clameurs de la foule et l'odeur des lacrymos. Je me dis que, quand même, c'était ça la maison. Je suis enthousiaste. À l'époque, on découvrait les chauffeurs Uber. Enculé d'esclave, a dit un camarade. Le chauffeur est sorti de sa voiture. Je suis pas un esclave, hein. Je bosse pour m'en sortir. Désolé, a dit le camarade, t'es mon frère. Ils se sont serrés la main, je m'en souviens. En 2016, j'étais déjà en chien après une rupture. Je traînais dans tous les cortèges avec ma barbe de 40 cm. Je cherchais un peu d'air. Un jour, les flics nous ont laissés dans une rue du 12e. On était serrés comme des sardines, on ne pouvait plus respirer. Les gens claustraux commençaient à bader, on les entendait qui suffoquaient en gémissant. Tout à coup, des météores sont tombés du ciel en plein dans le paquet. Un type a gueulé « Attention !» et les braises ont fait « Pshhh !» Juste après, le gaz s'est répandu sur la foule et j'ai eu des nausées. J'étais avec une copine qui pleurait sans savoir si c'était de brûlure ou d'angoisse, et moi je faisais « Urgh !» sans pouvoir bouger. On fait vraiment ce genre de bruit quand on est dans une nasse et qu'il y a du gaz. Le corps essaye d'expulser ça. Soudain, il y a eu comme une marée qui nous a déportés vers la gauche et qui m'a jeté contre une bagnole. J'ai grimpé sur son toit qui s'est déformé sous son poids et j'ai tendu la main à mon ami. De là-haut, je voyais les gens qui crachaient des toxiques en criant « Laissez-nous sortir !» Je regardais les flics de la CSI qui nous barraient l'accès au boulevard et je marmonnais « Allez, chien !» Des histoires, j'en ai plein, mais j'en ai rien à foutre. J'ai 37 ans, je suis déjà à moitié déchargé. Si Dieu me prête vie, comme disait ma prof de latin, j'en aurai bientôt 70 et j'aurai les yeux qui me sortent de la tête. Je dirais 70, exactement comme je dis 37 aujourd'hui. Faudra s'y faire, me dit l'oiseau qui se pose sur la rambarde. Je lui dis, toi, tu m'emmerdes, et je ferme la fenêtre. Je gueule, ne reviens plus, et je mets un coup de pied dans ma table basse. Je suis émotif, et ça ne sert à rien. Il revient et me dit, t'es sinistre. Qu'est-ce que c'est que cette philo de bas étage? Tu parles à des crânes en récitant des vers, lol. Il est fou, cet oiseau, je vais le monter en l'air. Mon cœur est noir comme celui d'une féministe marxiste dans les années 70. Je lui dis, va-t'en, pourquoi tu m'embêtes? Je bats des mains pour les payer, mais ça le fait rire. Je vais arrêter là. Il en reste encore pas mal, mais je trouve que ça pose bien l'ambiance. Alors, tous nos jours de tonnerre, c'est une autre nouvelle d'Aléric de Mans. Enfin, c'est pas une nouvelle, c'était comment on peut dire, un essai poétique. Sur le cortège de tête en 2016, et ça avait été publié dans le numéro des Temps modernes consacré à Nuit debout. Je crois que c'était un des tout derniers numéros des Temps modernes. Je ne sais pas si vous voyez, les Temps modernes, c'est cette revue qui a été fondée par Beauvoir et Sartre. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous faire un partage d'écran. Pas dégueulasse, hein. Elle avait, je sais pas combien, hein, 60 ans au moment de sa disparition, peut-être. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Donc, voilà. J'ai publié dans les temps modernes. Je peux mourir maintenant. C'est comme le diplôme, ça justifie tout. Après, on peut dire n'importe quoi. Une fois que, on peut passer sur CNews et tout. J'ai hâte. J'ai hâte. Voilà, donc vous voyez dans ce texte que j'ai lu, là, qui a juste circulé sur Facebook, hein, vous avez un truc qui commence à pointer avec une jonction entre vie politique, vie intime, vie artistique, vous voyez. Et la vie amoureuse, c'est quand même une grande part de mon existence depuis 20 ans, j'en ai 37 aujourd'hui. On peut dire que j'ai commencé grossièrement à 17 ans. Et ça a occupé quand même pas mal de mes jours et de mes nuits. Et je me pose la question aujourd'hui, arrivé à l'orée de mes 40 ans, c'est dans 2 ans quoi, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Après 20 ans de vie amoureuse, je me dis, c'est quoi ce truc? C'est fou, hein?
Voilà, on n'y pense jamais. Et donc, comme on n'y pense jamais, ben, j'en parle aux copains. C'est ce qui fait, par exemple, que Warren m'a filé un bouquin d'Henri Laborie, dont on parlera tout à l'heure, à la fin de ce live. Mais c'est ce qui fait aussi que je me souviens que mon vieux pote Aurélien Dedon, hein, un troisième Aurélien dans ce flux, travaille sur le sentiment amoureux. Ce mec, c'est un phénoménologue, il est en thèse de philosophie, et le sujet de sa recherche, c'est l'étreinte amoureuse, c'est le sentiment amoureux. Et donc je lui ai dit, mon gars, mais il faut absolument que tu viennes sur Twitch pour cadrer le débat. Et il n'était pas très chaud au début, hein, je l'ai tanné, je l'ai vraiment tanné, il va regarder la rediffusion, je m'en excuse, mais comme tout entrepreneur, j'essaye de tordre la volonté des autres pour la plier à la mienne. Je crois qu'il y a une théorie comme ça dans Imperium de Lordon. Hein. J'ai essayé de tordre sa volonté, il voulait pas en parler, ce que je comprends en plus, parce qu'il est en train de finir l'écriture de sa thèse, mais elle n'est pas terminée. Et donc il n'a même pas présenté encore, il n'a même pas encore défendu sa thèse, il n'a même pas encore soutenu. Et moi je lui dis, viens en public, bon, il n'y a pas grand monde, mais... ah oui, alors j'ai Simon qui me dit que le partage d'écran, ça fait laguer. Ok, je vais faire attention. C'est vrai que le partage d'écran, c'est un peu lourd. Donc Aurélien, il voulait pas venir. Aurélien Denon, il n'était pas très chaud. Et j'ai fait preuve quand même de compréhension, ou d'ardise, et je lui ai dit, ben, tu vas intervenir en tant que prof. Donc je vais plutôt t'interroger, du coup, pas sur ton travail, tu ne vas pas présenter les conclusions de ta thèse, mais tu vas répondre à quelques questions sur des notions de base. Et ça donne un entretien que nous avons enregistré à 10h30 ce matin et que je vais diffuser sur cette chaîne. Donc je vais couper mon micro. Je suis discipliné, je respecte le cahier des charges techniques et je vais vous balancer l'entretien. Ça fait 35 minutes, mais c'est le clou du spectacle, hein. Donc, même si vous allez boire un coup, vous mangez, mettez le son bien fort, parce que c'est un truc central dans ce Twitch. Aurélien 3 n'est pas un hoax, Steven, puisque tu vas le voir en vidéo. Tu vas pouvoir assister à cet événement qui est presque un bug de la matrice, où on a une visio avec deux Auréliens, comme ça, qui se ressemblent pas trop, déjà, et qui a failli faire exploser Zoom ce matin. Mais c'est bien réel, tu vas voir. Voilà, je vous lance la vidéo. On se retrouve dans 35 minutes, 35-38 minutes. Et vous allez voir, c'est un super entretien. Je l'ai revisionné entre-temps pour voir s'il y avait un problème technique. Et c'est chouette. Si c'est de l'IA, Steven, si c'est de l'IA, c'est une très bonne IA. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais regarder aussi. Je vais le re-regarder. Ok. Ok, c'est bon. Raison. Ouais. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Et ben voilà. Merci de prendre un peu de temps pour discuter d'amour avec moi. J'en ai bien besoin parce que cette petite capsule va être diffusée pendant un live qui parle d'amour. Et comme beaucoup de gens, j'y connais rien. J'ai aucun discours ni aucun propos articulé sur le sujet. Et il se trouve que toi, si tu travailles le sujet. Donc pour commencer, je vais te demander de te présenter et de nous expliquer un peu en quoi l'amour est un sujet de recherche pour toi. Bah, merci de l'invitation et de la discussion. Oui, alors bah, moi, j'ai fait en fait des études de philo. J'ai commencé à Nantes un peu de manière officieuse en parallèle de mes études de départ d'histoire de l'art et d'archéologie. Puis après, en allant à Paris, j'ai rejoint un cursus de philo voilà, classique. Et ensuite, ben, avant de démarrer en fait, dans une thèse officiellement, j'ai fait un peu de professeur au lycée. Et puis après, donc, j'avais envie effectivement de continuer dans la recherche. Et bon, il y a un sujet qui s'est imposé à moi au fil du temps. Moi, je viens d'une problématique au début plutôt esthétique. Et en fait, mon courant en fait, philosophique auquel je suis attaché, c'est la phénoménologie. Et bon, donc c'est
tard, finalement, que je suis tombé sur ce thème de l'amour et même un peu plus, finalement, plus largement de l'érotisme. Donc, on y reviendra peut-être un peu dans la discussion. Parce que ça concentrait en fait un certain nombre de thèmes qui m'importaient et surtout enfin, des thèmes voilà, qui peuvent paraître d'ailleurs exotiques, ça peut être le du sacré, etc. Et en fait, ce qui m'a aussi plutôt impulsé vers cette recherche, c'est qu'il y avait toute une tradition en phénoménologie, et particulièrement en phénoménologie française, donc à partir de Sartre, hein, les premières, finalement, de l'érotisme, c'est Sartre. Et je trouvais que ces descriptions érotiques, ben, elles manquaient encore quelque chose, quoi. Il y avait une dimension un peu manquante de réflexion, par exemple, sur les roses féminines, par exemple, tu vois, des choses sur ces thèmes-là, où elles délaissaient aussi beaucoup des thèmes, ben, des thèmes qui me sont chers, comme le monde, voilà, une sorte d'envers cosmologique un peu. Et en fait, il y a un phénoménologue très, tout à fait contemporain qui s'appelle Renaud Barbaras, avec lequel je me suis finalement très proche théoriquement, et qui lui semblait jeter en fait des bases d'une nouvelle description érotique. Et moi, en fait, bah, je m'insère un peu dans cette perspective et j'essaye, sans, voilà, de la mener, de la pousser jusqu'au bout, quoi, de la développer, quoi. Donc, je l'ai pris un peu dans ce sens-là, quoi. Donc moi, je travaille en fait, ma thèse, elle est vraiment autour de l'étreinte amoureuse. Donc, on va voir, ça concerne pas tous les types d'étreintes et donc ça a une implication avec l'amour, évidemment. C'est bien pour ça que tu es là. Et bah alors, je vais commencer cette petite discussion par un point extérieur à la philosophie. Je suis en train de lire, sur les conseils d'un copain, un bouquin d'Henri Labrie, qui était médecin et qui est un des introducteurs des neurosciences en France. Alors lui, dans ce bouquin, il nous dit qu'il n'y a pas de zone spécifique dans le cerveau à l'amour. Donc je me pose la question, est-ce que ça signifie que l'amour n'existe pas? Alors, moi, j'ai du coup, j'ai un peu regardé justement aussi. Je me suis pas tout de suite concentré, tu vois, sur on va dire la vision de la phénoménologie sur l'amour. J'ai aussi un peu regardé ce qu'en disaient les sciences et la neurobiologie en particulier. Je connaissais de nom Labori, je l'ai pas vraiment lu, mais par contre, parce que c'est un travail en fait, en plus, l'éloge de la fuite, il me semble que c'est un travail des années 70. Oui, Donc, la fin des... voilà, donc il y a sans doute des choses pionnières et hyper intéressantes et encore valables, hein. Mais moi, voilà, dans mon, j'ai pas fait, j'ai pas rayonné, j'ai pas fait un état des lieux, tu vois, voilà, donc j'ai regardé un peu plutôt les sources un peu plus récentes. Ce qui, par exemple, il y a deux bouquins que j'avais un peu regardés, c'est La chimie des sentiments de Bernard Sablenière. Ça, c'était 2015, tu vois. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle, si je me souviens bien, c'est Stoléru, c'est un autre neuroscientifique qui a un livre qui est de 2016 qui s'appelle Un cerveau nommé désir, en sous-titre Sexe, amour et neurosciences. Donc, j'ai regardé un peu ça et effectivement, tu as Labori avec complètement raison, il n'y a pas de zone spécifique dans le cerveau dédiée à l'amour. En revanche, il y a trois types de phénomènes cérébraux. En fait, qui sont associés à l'expérience amoureuse. D'abord, il y a l'activation quand même de certaines régions. Hein, le cerveau n'est pas à plat pendant ce moment-là, donc il y a une activation de certaines régions. Par exemple, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a l'hippocampe, le cortex singulaire antérieur, donc, il y a des zones comme ça. Et il y a aussi la région plus importante, enfin, en tout cas qui est mise en avant, c'est le circuit de la récompense. Mais on voit bien que ça, c'est un circuit, je veux dire, c'est une région qui est active dans d'autres moments que des moments amoureux. Hein. Ça peut Comme être. quand on mange du sucre, par Ouais, exemple. voilà, dans les comportements addictifs, ouais, exactement. Donc, c'est finalement pas spécifique, encore une fois, à l'amour, quoi. Donc, il y a des zones qui s'activent et puis il y a aussi des zones qui se désactivent. Donc, si tu veux, ce qui est noté, c'est par exemple. Évidemment, les zones qui influencent nos choix rationnels, nos jugements. Hein, donc, souvent, on cite le cortex préfrontal. Voilà. Donc, si tu veux,
Ces zones qui se désactivent, pour les neuroscientifiques, ça signifie que ça explique en fait que bah, quand on est amoureux, on est un peu ivre, on voit pas bien les défauts de l'autre, tu vois. Amour Bon, rend aveugle. voilà, alors l'amour rend aveugle, c'est le. Finalement, ça reprend les topos très classiques de la philosophie, tu vois. En même temps, les scientifiques reviennent par d'autres biais sur ces topos-là. Et puis, le dernier phénomène que les neuroscientifiques associent à l'amour, c'est un cocktail d'hormones. Il y a un certain cocktail d'hormones qui est libéré en fait dans le cerveau. Alors on met en avant au moins trois types d'hormones dans le cerveau, la dopamine, hein, donc l'hormone du désir ou de la motivation, hein, de l'action, etc. Et qui est en lien d'ailleurs avec le circuit de la récompense, hein, donc la dopamine, et qui permet l'augmentation des sensations de plaisir. Voilà. Il y a les endorphines, qui sont des morphines produites par le cerveau. Hein, et donc finalement, c'est des molécules antidouleurs, euphorisantes aussi. Et puis, enfin, ce qu'on a appelé, sans doute, souvent les scientifiques disent que c'est un peu à tort, mais on a appelé ça l'hormone de l'amour, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, qui serait en fait, parce que pourquoi c'est pas typiquement, spécifiquement à l'amour, c'est qu'on la retrouve dans d'autres types de relations d'attachement, hein, ou d'empathie, donc dans des relations d'amitié, en fait. Même là, quand on parle, pour un neuroscientifique, on produit de l'ocytocine. Donc, a priori, on n'a pas eu de coup de foudre encore. Donc, Oh, bah c'est il y a longtemps. si, voilà. Et donc voilà, donc tu vois et l'ocytocine, elle est juste associée à la relation durable en fait. Donc voilà. Donc voilà, c'est les trois phénomènes, on va dire, principaux si on fait un peu les choses rapidement. Maintenant, évidemment, tous ces neurobiologistes là dont j'ai parlé, ben justement, ils parlent de l'amour. Donc ils reconnaissent bien qu'il y a un phénomène amoureux et ils l'attachent assez justement à ces phénomènes matériels en fait, cérébraux, quoi. Donc évidemment, qu'il n'y ait pas de zone spécifique ne signifie pas que l'expérience amoureuse n'existe pas. Moi, je vais, en fait, de mon point de vue, si tu veux, ça c'est une chose, mais ça c'est un point de vue voilà, qui est presque dualiste parce que tu vois, il y a d'un côté des processus bah, électrochimiques, on va dire, dans le cerveau, donc un côté matériel en fait, vraiment, et puis en face, un côté psychologique. Donc, eux, ils restent, ce point de vue-là, elle reste pour moi dans une optique de dualisme entre du vécu hein, affectif et puis des processus matériels. Et pour moi, et ça sert à ça, hein, la neurobiologie, ça permet des corrélations ou des mises en, enfin, tu vois, des mises en relation, mais des concomitances. Hein, on peut faire des tableaux de concomitances et voir entre l'augmentation de telle hormone, par exemple, bah, l'intensité l'affecte concomitamment. Tu vois. Mais si tu veux, moi, la limite à cette perspective-là, pour moi, c'est que bah, ces processus-là, ils ne disent rien, en fait, de l'expérience amoureuse. Il faut qu'on le vive. Et voilà, en fait, elle vient juste montrer le sorte de pendant matériel, en fait, à l'expérience. Mais en quoi ça nous permet de spécifier et même de comprendre ce que c'est l'amour, tu vois? Ça, pour moi, ça ne remplit pas cette fonction-là, en tout cas. D'accord. Bah, justement, on va revenir sur ton terrain, là, on va vraiment y entrer. Il se trouve que l'amour, c'est une thématique qui est omniprésente dans la culture populaire. C'est un enjeu presque du quotidien pour beaucoup d'entre nous, mais qui est rarement, comme tu le dis, qui est rarement discuté en tant que tel. On va en avoir des représentations dans la fiction, hein, dans les romans, dans les films, bien sûr, c'est quasiment un passage obligé. On va le découper en sujets techniques. Là, on parlait des neurosciences, donc qui vont regarder quelles zones du cerveau s'activent, mais on peut parler aussi de l'éducation sexuelle. On va également en étudier les manifestations matérielles. Ça peut être aussi bien la sociologie que l'histoire des mentalités, mais on va pas s'y intéresser en tant que tel. Je trouve qu'on manque de données sur le sentiment amoureux comme phénomène, justement. Est-ce que la philosophie s'est intéressée à l'amour et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter justement de plus que les disciplines ou les arts précédemment cités? Ouais, ça, c'est une énorme question parce que, en fait, effectivement, alors, bon, là, disons qu'on parle de l'amour des amoureux, d'accord? L'amour-passion, si on veut. Parce qu'effectivement, le champ de l'amour, sinon, tu vois bien l'extension du concept, il est énorme. Il concerne des expériences comme l'amour de Dieu, l'amour de la famille, etc. Donc là, on peut effectivement, si on s'en tient à ça, oui, il y a, je pense, un point de vue, enfin, il y a en tout cas un abord philosophique de la question de l'amour, voilà.
des amoureux. Depuis longtemps, en fait, depuis Platon, au moins, il y a des choses, hein, chez Platon. Il y a deux grands dialogues qui tournent autour de l'amour, hein, c'est le Phèdre et le Banquet. Et chez Platon, voilà, il met en avant, lui, une vision très, on va dire, pas optimiste, mais très positive de l'amour. Donc l'amour, c'est une folie, mais c'est une folie divine, tu vois. C'est une folie qui peut nous mener à la vérité, etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est encastré, on va dire même, on va dire que voilà, c'est encastré dans un projet épistémologique, voilà, de connaissance, voilà. Mais tout au long, on va voir des auteurs plus ou moins classiques aborder ce thème-là. Bon, moi, je ne vais pas refaire un tracé historique, ça n'a aucun intérêt de toutes ces doctrines. Ce que je trouve intéressant, c'est de dire que je crois que, en fait, à partir du XXe siècle, on va dire, avec le courant phénoménologique, on s'intéresse justement au phénomène amoureux lui-même, pour lui-même, tu vois. Et on s'en tient à la description, voilà, de ces, on va dire de ces structures, quoi, voilà, de ces structures essentielles. Qu'est-ce qui fait qu'une expérience est amoureuse? Et donc, si tu veux, pour moi, ce qui est important dans ce geste-là, déjà, c'est de désencastrer l'amour, en fait, d'un système autour et d'une fonction, en fait, du phénomène amoureux pour un système philosophique. Ou pour, alors, ça peut être, comme j'ai dit avec Platon, une doctrine épistémologique, mais ça peut être aussi ça pourrait être la fonction de l'amour dans une morale, tu vois. Chez Lucrèce, par exemple, dans le De Natura Rerum, il y a condamnation de l'amour parce que éthiquement, ça nous rend souffrant, addict, etc. Donc c'est pas du tout légitime, en fait, de s'adonner à l'amour si on veut la joie de vivre, tu vois, enfin la joie épicurienne, quoi. Donc là, c'est pris vraiment dans des considérations morales. Et d'une certaine façon, même au moment au XVIIe siècle, quand Descartes ou même après Spinoza s'intéressent aux passions de l'âme et dont l'amour, en fait, c'est toujours aussi un peu pris soit dans un système moral, soit dans un système de combinaison des passions, voir comment les passions s'engendrent, etc. Bon, donc tout ça fait que, bon, je ne parle même pas du Moyen Âge où c'est pris dans les institutions religieuses, tu vois, ou même des institutions profanes. L'amour courtois, mais c'est quand même encore bon, c'est là, ça rejoint un peu peut-être des considérations plus sociales ou voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de réfléchir sur ce phénomène en tant que tel, et je pense que la tradition philologique elle permet ça. Alors maintenant, si je peux commencer un tout petit peu à affiner sur cette tradition-là, à faire des distinguos, je pense que ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la tradition philologique, on va dire de son fondateur Edmund Husserl jusqu'à des penseurs très contemporains comme Jean-Luc Marion, qui a écrit un livre en 2000, dans les années 2000, 2004 ou 2005, je crois, qui s'appelle Le phénomène érotique, justement, eux, ils vont, si tu veux, essayer de réhabiliter l'amour d'une certaine façon pour éviter d'en faire un simple état, tu vois, un contenu psychique. Voilà, qui serait un peu immanent, mais finalement, voilà, tu n'aurais rien à finalement de particulier, aussi le distinguer d'un affect. Et donc, toute la tradition, mais vraiment tous les auteurs, là, on pourrait prendre un par un, ils vont faire de l'amour plutôt quelque chose, ils vont avoir une culture activiste, ils vont en faire quelque chose de l'ordre de l'activité, tu vois. Alors, ça prend différentes formes, hein, mais par exemple, je te donne quelques exemples rapides. Chez Heidegger, l'amour, ben, c'est un vouloir fondamental. C'est vouloir laisser être l'autre tel qu'il est, tu vois. Et donc ça, il parle même en termes de combat, tu vois. Il dit c'est un combat, quoi. L'amour comme un combat. Après, chez Husserl, bon, c'est une activité, mais chez un phénologue vraiment, un des phénologues allemands qui a mis l'amour vraiment au centre de sa philosophie, de sa phénoménologie, c'est Scheller, Max Scheller. Pas William Scheller, Max Scheller. Entre aussi, William Scheller. Et tu vois, et du coup, lui, bah, il voit dans l'amour, bah, déjà l'acte originaire sur lequel reposent tous les autres actes, donc c'est-à-dire tous les autres sentiments, mais aussi toutes nos connaissances, notre perception, etc. Donc c'est l'acte originaire et c'est un élan vers l'autre et vers, en fait, on va dire l'augmentation, enfin, non, l'accroissement de sa valeur. D'accord? L'accroissement de sa valeur. Dans l'amour-passion, c'est l'accroissement
de valeurs aussi, pas seulement singulières ou personnelles, mais des valeurs aussi vitales, c'est-à-dire la vigueur, tu vois, la fraîcheur, etc. Donc, en fait, c'est un élan, c'est compris comme un élan. Chez Biswanger, c'est pareil, c'est un élan qui va pour l'accroissement du nous, du couple, en fait, tu vois. Voilà, et puis, bien sûr, en France, on ne peut pas. Donc, ça, c'était un peu les penseurs allemands, mais. Finalement, le premier à faire une philologie de l'amour, c'est Sartre, hein, dans L'être et le néant, en 43. Et lui, chez Sartre, bah, c'est pareil, l'amour, il est compris, il le prend à rebours un peu, il fait une sorte de démystification de l'amour en disant, bah, en fait, il dit, bah, l'amour, c'est du conflit. Et c'est une conduite conflictuelle, parce que, en fait, c'est une façon pour nous d'essayer de neutraliser, mais même plus de s'intégrer la liberté de l'autre, la conscience de l'autre, tu vois, de le fasciner, etc. Donc, c'est en tout cas une conduite. Donc, c'est une activité, tu vois. C'est un comportement. Et voilà. Donc, ça, c'est. Et ça continuera jusqu'à Jean-Luc Marion qui verra dans l'amour un processus avec des étapes, voilà, etc. Donc, tout ça, juste. Donc, je ne rentre pas non plus trop dans les détails, mais pour te montrer vraiment ce point de vue activiste. Et moi, ben, je dis ça parce que justement, il y a un contrepoint. Moi, je me situe dans une optique. Où l'amour, ben, en fait, dans l'optique barbarassienne, donc de Barbaras, on va dire que le phénomène de l'éros, c'est un phénomène composé, d'accord, en deux temps. Il y a un phénomène du sentiment amoureux, et donc on assume que c'est un sentiment, et donc, alors je vais revenir, voilà, il y a cette composante du sentiment et la composante du désir. En fait, le sentiment va déclencher un désir, et donc là, il y aura une activité, etc. Mais au départ, il y a bien un sentiment amoureux qui est un moment, on va dire, de passivité. Mais pas de passivité pure, qui est un moment de, en fait, enfin, il y a toujours une certaine activité dans cette passivité, c'est la réceptivité, ou l'accueil, si tu veux. L'accueil, en fait, de ce qu'on peut appeler l'être de l'autre. Donc, c'est sa qualité de présence, si tu veux. D'accord? C'est une certaine ouverture à sa qualité de présence, à sa. Bon, je peux rentrer dans les concepts, mais sa profondeur, et donc, on pourrait dire aussi son monde, en fait. C'est, en un certain sens, c'est son monde justement, qui nous rend amoureux. D'accord? Donc là, il y a bien la volonté, tu vois, de plus comprendre seulement l'amour au sens strict comme une activité, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si tu veux, si tu penses à, si tu veux que je complète un petit peu sur ce plan-là ou. Justement, ça va bien, ça va bien avec la question qui suit et qui va te permettre d'enchaîner, je pense, qui concerne plutôt l'aspect élan vers l'autre. On a parlé de William Scheller, justement. Merci. Je trouve que dans la variété française, mais aussi internationale, l'amour est partout. Hein, c'est un des moteurs dominants de l'écriture de Jean, je crois. C'est aussi le cas dans ce qui est une nouvelle forme de variété, qui est le rap actuel, hein, tout ce hip-hop autotuné, où en fait on n'a plus vraiment de frontières entre la variété, le R&B et le rap. Ce que moi je trouve très bien. Et évidemment, comme on revient sur le terrain de la chanson, on se remet à parler d'amour massivement. Sauf que bon bah là c'est un amour problématique. C'est souvent si on prend par exemple une chanson comme Daddy qui est un featuring entre FDM et Booba, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du sentiment amoureux et du désir et donc de cet élan vers l'autre. Sauf que pour des raisons que j'aborderai sans doute dans le live, il est jugé comme impossible ou comme non conforme par avance. Et par conséquent, les paroles partent d'ici, mais font tout de suite dériver l'histoire sur quelque chose qu'on peut trouver plus trivial, mais qui est vraiment la satisfaction d'un besoin sexuel, justement peut-être pour contourner l'histoire d'amour. Et ce qui me donne envie de faire préciser ces notions, est-ce que le plaisir est un débouché distinct de l'amour? Et est-ce que c'est moins engageant que l'amour? Est-ce que déjà on peut faire une distinction entre les deux? Et est-ce que c'est une bonne stratégie pour ces chanteurs-rappeurs de partir sur la satisfaction du plaisir sexuel pour éviter justement d'avoir à s'affronter à ce qu'on appelle l'amour hétérosexuel en l'occurrence, hein, puisque c'est ça dont il est question dans ces chansons. Ben oui, c'est une question pareil, assez, enfin, je pense assez centrale quand on va s'intéresser à l'érotisme et en plus très intéressante en fait parce qu'elle permet de réarticuler un peu autrement en fait les choses parce que justement je te disais voilà en fait bon, je reprends un peu du coup la conceptualité dans laquelle je me place.
Donc il y a ce sentiment d'amour qui déclencherait, qui enclencherait le désir amoureux, et donc ce que j'appelle en fait aussi la passion, d'accord? Et cette passion, effectivement, pour moi, elle se ramifie en deux branches. Il y a une branche du désir amoureux qui est exploratoire, hein. Je vais découvrir l'autre, c'est-à-dire je vais découvrir son monde, et ensuite je vais découvrir le monde avec lui et construire un monde avec lui. Donc ça serait tout un pan exploratoire. Et puis il y a la branche qui va plutôt se tourner vers le corps de l'autre et qui sera le désir charnel en fait, d'accord? Et qui va rechercher justement à travers justement la dynamique du désir charnel, la présence de l'autre, mais d'une façon un peu autre en fait justement. Mais du coup ça pose la question du plaisir et on voit bien que sans désir charnel on peut se demander d'ailleurs si il y a vraiment amour tu vois si et en tout cas s'il y a vraiment une passion tu vois. Il y a des textes de Beauvoir qui disent que aussi s'il n'y a pas cet élan sexuel tu vois il n'y a pas vraiment amour ou il y a pas en tout cas il n'y a pas l'amour au sens des amoureux tu vois. Il y a peut-être amitié hein, qui est une forme d'amour etc. Après, ça pose d'ailleurs d'autres questions. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y ait un rapport, que le rapport charnel ça peut faire par des mots, par correspondance. Voilà, ça peut. C'est pas parce que il n'y a pas un acte sexuel physique qu'il n'y a pas un rapport charnel, tu vois. Bon, ouais. En tout cas, ça pose effectivement la question du plaisir. Et alors là, je trouve que c'est assez intéressant. Alors d'une part, je vais dire deux choses. D'abord, parce que je pense que se tourner vers le désir sexuel, ça amène nécessairement pour moi à recouvrir ou masquer le sentiment. Mais c'est normal en fait. C'est-à-dire que le désir sexuel, il est, on va dire, enclenché par le sentiment, mais il est commandé par le sentiment. Mais en même temps, il est ce qui va masquer en même temps. Parce que le sentiment, en fait, amoureux, c'est très fragile, c'est très discret. Et voilà, pour retrouver il faudrait presque une neutralisation du désir pour que ressurgisse en fait le sentiment amoureux. Donc, parler du désir sexuel, c'est de toute façon, à mon avis, contourner le sentiment amoureux. Voilà, presque, tu vois, au niveau principiel, quoi. Après, la question au sein même du désir sexuel, du plaisir, je pense qu'elle est hyper importante parce que le plaisir. Bon, en fait, je ferai en fait je verrais ça en deux temps, quoi. D'abord, moi, je pense qu'il faut éloigner l'érotisme d'une perspective qu'on dirait plutôt hédoniste, tu vois? Donc, justement, qui aurait pour seule finalité le plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi, je vois deux postures d'hédoniste, très simplement. Hein. D'abord, il y aurait celle dont tu as un peu parlé, finalement, en parlant de besoin sexuel, hein, l'assouvissement du besoin sexuel. Ben justement, je pense que là, on parle de besoin sexuel et plus de désir sexuel, tu vois, ou plus de désir charnel. Et du coup, là, ce qui est en jeu dans le besoin sexuel, mais ce n'est pas pour le discréditer, ni hein, tu vois, pas pour moraliser la chose, hein. C'est juste pour dire, ben, en fait, c'est juste ce qui est en jeu, c'est le soulagement d'une tension, tu vois, ou la détente d'une excitation. Et là, on est bien dans le besoin. Et en fait, on rejoint même la notion de pulsion sexuelle hein, chez les psychanalystes. Voilà, elle a besoin d'être détendue pour pouvoir retomber à un niveau d'excitation moindre et pour devenir supportable, parce que sinon, elle devient insupportable. Retrouver son assiette. Mais alors là, tu vois, pour moi, quand on va dans cette optique-là, finalement, on fait peut-être quelque chose. Enfin, on est peut-être dans une option un peu hygiéniste. C'est un peu l'hygiénisme sexuel. C'est pas mauvais en soi, mais ça fait partie de ça, à mon avis. Et il y a des développements assez intéressants d'un philosophe qui s'appelle Paul Audi, qui dans un livre très récent, enfin assez récent de 2018, je crois, qui s'appelle De l'érotique, justement, il revient un peu sur le lien entre, bah, oui, même il fait des liens avec la pornographie et l'hygiénisme sexuel. Et donc, et le puritanisme, tu vois, il met en complicité la pornographie et le puritanisme. Bon, c'est assez intéressant. Donc, ça, c'est le plan, on va dire, le plan du besoin, tu vois. Se soulager, on va dire le soulagement, la décharge. Et par contre, il y a une autre aussi, une optique hédoniste, qui est souvent mise en avant et souvent qui s'insurge un peu contre la logique du besoin, mais c'est justement à prendre plaisir au désir lui-même. Tu vois, pas à l'assouvissement du désir, mais au plaisir lui-même, à la tension elle-même. D'ailleurs, Freud, il reconnaît qu'il y a aussi un plaisir pris dans la modulation de la tension. Donc ça peut être parce que dans le premier cas on peut dire bah c'est plutôt un désir c'est plutôt un besoin le besoin est plutôt égoïste tu vois c'est le soulagement de sa tension ici bah les gens
qui vont défendre un peu ce point de vue du désir, du plaisir du désir, bah, vont dire c'est d'abord le, ça peut être son désir le, qui nous prend, qui nous rend, voilà, qui nous fait, qui nous satisfait, mais ça peut être le désir de l'autre aussi. Donc ça peut être altruiste, tu vois. Donc il y a un hédonisme altruiste aussi possible de ce point de vue-là, quoi. Donc, mais ça, c'est lié pour moi des éthiques du désir, mais pas amoureux. Et c'est plutôt ce que j'appellerais donc des himérotiques. Alors, c'est un peu barbare, mais en fait, himéros, c'est une sorte de frère d'Eros. Hein, et himéros, c'est le désir impétueux. Tu vois, c'est le désir impétueux. Donc, en grec, voilà, ça vient de là. Donc, c'est plutôt pour moi, voilà. Mais ça, l'érotique au sens fort, ou au sens strict, si tu veux. Parce que pour moi, ça renvoie Eros vraiment à amour et désir, donc faut bien qu'il y ait la dimension amoureuse. Et alors, dans le désir sexuel amoureux, je pense que ce qu'il faut dire du plaisir, c'est qu'il n'est pas la finalité, à mon avis, ce n'est pas la finalité de ce désir-là. On ne recherche pas voilà, ni le plaisir de l'autre, ni son plaisir, en fait. Et le plaisir n'est pas non plus un surcroît. C'est pas quelque chose qui viendrait en plus, quoi, comme nous récompenser, tu vois, d'une bonne action, comme chez Aristote, le plaisir arrive en surcroît de la vertu, tu vois. Donc, non, non, c'est pas un surcroît et c'est pas non plus la finalité, mais par contre, il est inhérent, on va dire, à l'accomplissement du désir, d'accord, amoureux. D'ailleurs, voilà, ouais, il est inhérent. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il survient, quand la satisfaction survient, eh bien, elle est déjà travaillée par une forme d'insatisfaction. Elle appelle à plus, tu vois, à aller chercher plus, quoi, de satisfaction. Donc, ce qui est intéressant, c'est que bah, ce qui satisfait relance, ce qui satisfait insatisfait, ce qui satisfait exacerbe, en fait. Et donc là, je pense que donc le plaisir est très très central, mais donc tu vois, il y a une sorte de dialectique où en fait les deux, bah, ouais, les plaisirs et satisfaction se compénètrent en fait, tu vois. Bon, voilà, c'est plutôt ce que je dirais dans un premier temps. Et je pense, si juste dernière chose pour finir un peu sur ce plan-là, en fait, je pense que dans le désir sexuel amoureux, on cherche d'atteindre la source de la présence de l'autre, tu vois. Et je pense que quand on se rend compte, c'est pour ça que ça me faisait penser ta question, parce que je me dis que en fait, on peut se rendre compte qu'on est amoureux aussi à partir de l'ébat sexuel, c'est-à-dire. Je pense qu'à un moment donné, si on se rend compte que bah, ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement le plaisir, le nôtre ou celui de l'autre, tu vois, mais que c'était quelque chose de l'ordre de, bah oui, essayer de toucher sa présence, essayer de la rejoindre, de rejoindre l'autre, son altérité, si tu veux, bah, je pense que là, on peut commencer à se rendre compte que notre relation, elle n'est pas si détachée ou voilà, etc. Et oui, et c'est pour ça que c'est les chansons dont je parlais sont très tristes. En fait, historiquement, on a eu les chansons d'amour tristes parce que l'amour se terminait, mais là, c'est un amour qui est empêché, mais qui est quand même là. Et donc, il y a quelque chose de la peur par anticipation. Et avant même de commencer, on se dit, c'est pas pour moi, mais quand même, c'est pour tout le monde, c'est les humains, quoi. Mais ça va quand même se passer et ça va pas marcher, donc c'est très triste. Mais bon, alors, ça, on y reviendra sans doute dans le live de ce soir. C'est très lié aussi à ce que les militants décoloniaux peuvent appeler les masculinités indigènes. On est sur un terrain qui nécessiterait carrément 2 heures de live à lui tout seul, mais. On va revenir à des choses beaucoup plus connues et courantes jusqu'alors, qui sont les chansons de rupture. Voilà. Le summum de la douleur en amour, c'est la rupture, hein, globalement dans la culture populaire. Mais je me demandais, alors c'est une question un peu anecdotique, on va bientôt terminer, c'est l'avant-dernière, est-ce que lorsqu'il y a rupture d'un couple, c'est vraiment l'amour qui nous fait souffrir? Alors les neuroscientifiques diraient peut-être qu'on est en descente, que voilà, qu'on est en manque, peut-être. Alors qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors moi je pense effectivement alors, que c'est l'amour qui fait souffrir. Alors ce que je veux, d'ailleurs, avant de parler un peu de la rupture, bon, je me suis moins intéressé à la rupture dans mon travail, mais pareil, ça m'a permis un peu d'y revenir. Question parce que en fait, je pense que même dans le sentiment d'amour, qui est alors que moi je comprends comme un événement, tu vois, eh bien, il y a quelque chose comme. C'est pas seulement une explosion de joie, en fait. C'est, il y a aussi une composante, et ça, la littérature l'a montré maintes fois, une composante aussi dépressive et de souffrance, en fait. Et donc,
dès l'événement amoureux, il y a de la souffrance. Souffrance de quoi? Bah, déjà parce que en fait, le monde dans lequel on était installé quotidiennement, bah, il est déstabilisé, voire même il est décoloré, parce qu'il y a quelque chose qui a surgi et qui remet en jeu vraiment tout ce qu'on connaissait, tous nos repères. Et puis, il y a la souffrance donc de perdre ça, et puis la souffrance d'un nouveau monde qui advient, en fait. Et ça, il y a des lettres très belles de Kafka à Milena, où il explique que ce qui lui fait le plus mal dans la rencontre amoureuse, bah, c'est de devoir assumer la construction, le soulèvement de ce nouveau monde, quoi. Et que ça, c'est très douloureux, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc du coup, je reste dans la même dynamique, mais tu vois, dans la rupture, alors surtout quand tu l'as subi, effectivement, c'est l'effondrement, en fait, du monde. Et subite, en fait. C'est souvent... Voilà, même si on sent des fois qu'il y a une période un peu de latence, quand c'est acté, voilà, il y a quelque chose qui vraiment doit s'effondre, quoi, s'écroule. Et donc, alors moi, je le comprendrais en termes phénoménologiques, c'est-à-dire, en fait, pour moi, le monde au sens phénoménologique, c'est le sentiment de la profondeur des choses. Tu vois, les choses sont, elles apparaissent dans la profondeur. Et dans l'amour, effectivement, bah oui, cette profondeur, elle est amplifiée, elle est énorme. Et du coup, dans l'effondrement, bah, c'est cette profondeur qui se ratatine, en fait. Et du coup, bah, tu vois, ça implique que justement mon désir s'épuise aussi, et y a plus d'épaisseur des choses. Et ça, c'est la tristesse, en fait. On n'a plus envie de sortir. Les choses ne nous inspirent plus, tu vois. Et donc, tristesse, voire désespoir. Donc c'est moi je le vois par rapport à l'effondrement du monde, ça veut dire voilà, on va dire les choses un peu comme des surfaces qui n'ont plus d'épaisseur à aller conquérir, tu vois. Donc il n'y a plus le désir qui est entraîné, donc ça peut aller loin, en fait. Ça peut aller, on le sait bien, ça peut aller dans des maladies ou des suicides, etc., mais ou en tout cas des phases dépressives plus ou moins longues, quoi. Mais ouais, bon, moi je comprendrais ça comme ça. Après, je ne sais pas si toi ça te parle, mais... Ah ouais, j'écoute et j'y réfléchirai. Moi, encore une fois, le but de toute cette émission, c'est aussi une recherche personnelle sur un sujet que j'ai très peu réfléchi et sur lequel j'ai peu d'éléments. C'est pour ça qu'encore une fois, je te remercie de prendre un peu de temps pour clarifier des choses et nous apporter un peu l'état de tes travaux à ce jour. Et je vais terminer avec une question. Tu as commencé à effleurer au tout début de l'entretien, et puis on s'arrêtera là parce que c'est déjà bien complet pour une entrée en matière. C'est est-ce que ce qu'on appelle l'amour, le sentiment amoureux, se cantonne à la relation entre les amoureux? Parce que, classiquement, la relation de personnes qui se rencontrent, qui s'aiment, qui vont faire un couple pour faire des tas de choses, comme habiter ensemble, faire des enfants, se marier, que sais-je. Est-ce que ça se limite à ça, ou est-ce que vraiment ce que tu étudies, toi, hein, le sentiment amoureux? Oh, les amoureuses, ça peut déborder de ce cadre. Bah alors le sentiment amoureux, alors oui, alors pour moi évidemment ça n'implique aucun type de sexualité déjà, enfin, ni hétéro ni homo, enfin les deux, enfin ou tout, ou même les sexualités queer, etc. Hein, sur ce plan-là, je vois pas, en fait, pour moi il n'y a pas de différence, en fait. Voilà, c'est des formes que prend l'amour, des formes tout à fait voilà. Distinctes, mais d'égale dignité amoureuse, quoi. Et puis ensuite, alors tous ces mots, effectivement, un peu mainstream, de la mise en couple, du foyer et puis de la famille, bah pareil, je dirais un peu, pour moi, c'est un peu un scénario parmi d'autres, en fait, de la passion, tu vois. Pour moi, la passion, oui, okay, on peut vouloir habiter ensemble et avoir des enfants, voilà, mais on peut aussi ne pas habiter ensemble et ne pas avoir d'enfants, etc., et vivre une passion durable, tu vois. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas de pareil, il n'y a rien de préétabli. Et surtout, donc, il n'y a aucune normativité. Enfin, je trouve que c'est important de réfléchir sur l'amour et d'éviter. Moi, c'est ça aussi qui m'intéressait un peu, quand j'ai un peu relu des choses de sociologie sur l'amour, c'était voilà, comprendre, éviter, en fait, des descriptions. C'est aussi ça qui n'allait pas dans des descriptions phénoménologiques, c'est qu'il y avait de la normativité, tu vois. Des fois de ce qui se passait dans la sexualité ou dans la relation. Donc c'était éviter ça. Et puis, alors par contre, je dois dire quand même
que, alors là, c'est un truc un peu que je, c'est une réflexion un peu que j'ouvre, comme ce n'est pas des champs non plus sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi, mais on voit, il y a des phénomènes comme Lévinas qui ont parlé de la relation amoureuse et qui ont embranché directement un peu sur la problématique de l'enfant, tu vois, de l'enfant, de la fécondité et de l'enfant. Alors, c'est pas du tout pour dire que la finalité de l'acte sexuel, c'est la procréation, etc. Ça, tu vois, ça serait plutôt dans une optique d'évolutionnisme, de biologie évolutionniste, qui est encore aujourd'hui hein, très présente hein, chez les biologistes. Bon, moi, je pense encore une fois, du désir charnel, c'est ni le plaisir ni la procréation. Hein. Je pense que c'est pas ça l'enjeu. Mais quand même, le fait est que je crois qu'on peut se demander si l'enfant, en tant que problématique, tu veux d'un couple, d'une passion, c'est pas quelque chose qu'on rencontre d'ailleurs dans tout type de couple, hein, hétérosexuel ou non, tu vois. Où, on voit bien avec peut-être des demandes des homosexuels de pouvoir avoir des enfants. Hein. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui. Alors j'essaie de réfléchir, ou même des couples stériles, tu vois, etc. On peut se demander. À mon avis, il y a un enjeu peut-être qu'il faudrait mettre en lien entre. Et il y a peut-être un enjeu métaphysique ou cosmologique à avoir un enfant, c'est-à-dire c'est un nouveau monde aussi l'enfant, un monde ça, et ça fait partie du monde qu'on construit à deux avec l'autre. Enfin voilà. Et est-ce que bon, je laisse ouvert, mais je peut-être qu'évidemment avoir un enfant en tant que tel factuellement c'est impossible parmi d'autres, mais est-ce que les couples sont pas confrontés quand même à cette question à un moment donné? Voilà, c'est un peu une question que je me pose. Bah écoute, merci. Ça fait de quoi continuer la réflexion. Ah, merci à toi. C'était super. J'espère que les gens qui vont regarder ce live apprécieront autant que moi le tien. Bonne continuation dans tes recherches. Ouais, merci. Là, je vais en avoir besoin. Il faut que. Bon courage pour la fin de la Ouais, rédaction. ouais. À bientôt. Ouais, salut, Aurélien. À bientôt. De retour au direct dans les studios de la rue du Borrégo, Paris 20e. Il est pas mal ce petit gars, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu envie de le faire monter. J'aime aider les jeunes. Non, plus sérieusement, Aurélien, qui m'a fait l'amitié d'enregistrer cet entretien, comme je l'ai dit au tout début, est chercheur en philosophie, précisément en phénoménologie à l'université de Rouen, et il est en train de terminer la rédaction de sa thèse sur les étreintes amoureuses. Et c'était la première fois, j'avais déjà discuté un peu de façon informelle avec lui de tout ça, mais c'est la première fois que. Oui, c'est très dense, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est cool. Moi, c'est la trois, c'est, je l'ai fait ce matin, et c'est la deuxième fois que je le vois, et il y a plein de trucs que j'ai raté. Mais voilà, c'était la première fois pour moi que j'avais l'occasion d'en discuter de façon sérieuse et de s'y consacrer. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Donc, encore une fois, merci Aurélien. Et on va passer à la suite après un petit interlude musical. C'est le moment, si vous voulez, de vous allonger. Ça va pas être très long, ça va durer 4 minutes. Et je vous récupère après pour parler de l'amour problématique qui va nous introduire tout doucement à la discussion avec Warren. Allez, à tout de suite, je coupe mon micro, je vous laisse 4 minutes. On parle de ta fée pour des thunes, non, je profiterai même pas. Ils oublient que ma vie, j'en ai qu'une, je vis comme dans Koh-Lanta. Cette vie de rêve, savoir un gosse, une meuf, une chevrolet, être charbonné, une villa, un vélo de ville, être sous contrat. Se lever à 6 du mat, ensuite déposer le fiston qui, lui, quand il grandira, profitera de tous mes bifetons. Routine hebdomadaire, donc obligé de prendre des congés. Une nuit tellement robotisée que j'ai déjà dans quoi dépenser. Créer immobilier, Minerval d'université, collier de perles des Champs-Élysées pour nos 10 ans de mariage soudain, non, non, non. Je veux perdre sa paire des sous pour des paires de sang. Être père et mari, boss d'une PME, toucher 6 200. Pour certains, c'est le paradis. Moi, je veux pas refaire des vies. Je veux vivre un truc inédit. Jean 50, Jay-Z, P. Diddy, ouais. Je suis fatigué de leur vision de la réalité. 25 ans dans l'humanité sans aucune humanité. Et je pense que si la vie ne me donne pas tout ce que je lui demande, je parle par la violence. Qu'importe les crimes, morts, victimes, innocents dans la vie, chacun sa chance.
dans l'oubli, loin des bruits des gyrophares, caméra de surveillance. Mon gun fait la surveillance. Tueur, tueur, tueur. Badalala bang. Tueur, tueur, tueur. Badalala bang. Tueur, tueur, tueur. Badalala bang. Tueur, sur son sort, toujours à penser qu'il sera libre. Mais la vraie prison se trouve dehors, proche des coffres forts. Mon âme sort dans un kilo de shit. Quand la vie te baise, y'a pas de pilule. Loin des yeux, près de ta cellule. Ce rap de mer n'a plus de vivre. Ce rap de mer n'a plus de vivre. Ils te promettent le paradis avec une peine en or. Je t'ai dit je t'aime aujourd'hui pour une histoire sans lendemain. On a ce qu'on a, pas ce qu'on a eu. Donc je donne le mien pour prendre le lien. Si je prends les vôtres, c'est pour les miens. Et je pense que si la vie ne me donne pas tout ce que je lui demande, je passerai par la violence. Qu'importe les crimes, morts, victimes, innocents, dans la vie, chacun sa chance. Dans l'oubli, loin des bruits des gyrophares, caméra de surveillance. Mon gun fait la surveillance. Tueur, tueur, tueur. La 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 la. On est de retour. J'espère que vous en avez profité pour vous détendre un peu. Ça fonctionne là, le live? Je sais plus ce que je fais à force de couper, de relancer des micros. Je sais plus où j'en suis. Ouais, ça a l'air de marcher. Ça marche. Quand la vie te baise, il n'y a pas de pilule. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais la formule me paraît assez valable. C'était encore une chanson de Damso qui s'appelle Tueur. Je crois que c'est dans la BO d'un film. Ou en tout cas, c'est une mixtape. J'ai l'impression que c'est une BO de film. Et l'artiste qui chante s'appelle May M. May comme le mois de May et M comme le chanteur M. Et c'est encore un très bon morceau, à mon avis. Je vais vous dire. Alors là, je vais prendre. Un quart d'heure, et après on va faire venir Warren, on va faire descendre Warren du ciel, mais je vais prendre un quart d'heure pour parler donc de l'amour problématique à différents niveaux, et j'illustrerai notamment la deuxième partie sur le rap français avec des reprises que j'ai faites, des courtes reprises, hein, ça fait 1 minute 30 à chaque fois à peu près, comme ça on n'aura pas de problème de droit, hein, j'ai veillé à ne pas mettre les vrais morceaux qui sont bourrés de copyright et que les machines vont repérer très facilement. Donc je mets des reprises maison, qui sont souvent très sympas. Je parle pas des miennes, je parle de celles des meufs. Là. Alors l'amour problématique. On a vu un peu le point de vue philosophique, et Aurélien me disait, ça c'est bon, c'est un point de vue phénoménologique, c'est une strate, mais il y a aussi une autre strate déterminante, qui est la strate sociologique, et vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'artistes, mais aussi de chercheuses et chercheurs, militantes et militants, se sont penchés sur la question de l'amour. Alors pas d'un point de vue, on va dire, fondamental, ontologique, hein, pas en cherchant à savoir ce qu'était le phénomène de l'amour, comme le fait notre ami Aurélien, mais plutôt en étudiant ses manifestations, ses effets, ou en glosant sur ces manifestations et ces effets. Donc vous avez, c'est juste pour signaler un peu un point de vue, parce que là je suis un
j'en ai, je parle, je suis blanc, tout ça, bon, c'est un point de vue très situé. Ben, je vais vous donner d'autres points de vue, qu'on pourrait dire minoritaires. Il y a le point de vue des féministes, notamment. Je ne sais pas si vous avez lu cette bande dessinée, pas dessinée, de Yves Tromboli, qui s'appelle Les sentiments du prince Charles. Ça a fait un. Alors, je ne sais pas si Juan, tu l'as lu. Je peux partager mon écran pour vous montrer la couverture. J'arrête. En fait, dans la BD Les sentiments du prince Charles, qui est paru chez Rackham, j'avais été, enfin moi, ça m'avait frappé à la première lecture, parce que il me semblait que Strömquist déployait une vision de l'amour, notamment hétérosexuel, hein, du couple hétérosexuel, comme instance de manipulation, en fait, comme un espace pour obtenir de l'autre des satisfactions narcissiques. Et pour obtenir de l'autre, évidemment, des avantages concurrentiels avec, en l'occurrence, les autres hommes, puisque c'est très centré sur l'analyse du patriarcat. Donc c'est quasiment, en fait, c'est comme ça que je l'ai vu. Après, je l'ai relu, j'ai trouvé que j'avais un peu exagéré, je l'avais un peu pris à cœur, mais j'avais carrément l'impression qu'elle me disait, l'amour, ça n'existe pas, l'amour, c'est une manifestation de la perversion narcissique, quoi. C'est la pure manipulation pour obtenir une satisfaction narcissique. Bon, j'ai vu Warren tout à l'heure que tu as écrit narcissique en très gros dans le chat, donc j'imagine que ça peut te parler. Alors, elle illustre ça avec bien des exemples historiques de couples, et c'est plutôt intéressant. Donc, le propos est orienté dans un centre, dans un sens d'une critique du patriarcat, et ça a mon lieu dans bien des couples, notamment célèbres, ça a profité aux hommes. Voilà. Les sentiments du prince Charles. Et avant de continuer, j'ai fait un oubli, je voulais absolument dire que Aurélien, notre philosophe phénoménologue, a une chaîne YouTube qui s'appelle La Parenthèse. Si vous tapez La Parenthèse Philo, vous verrez, il y a déjà 5 ou 6 épisodes. N'hésitez pas à les regarder, c'est des gros machins, hein. C'est plus gros que ce qu'on a fait avec d'autres chercheuses, chercheurs, essayistes. C'est mortel. Autre point de vue féministe, bien sûr, que je connais bien, assez bien, le mouvement Wages for Houseworks, c'est-à-dire salaire au travail ménager, qui inspire toute partie de notre condition, hein. Le sous-titre, c'est Essai sur le salaire au travail artistique. Et qui nous dit, alors, on peut citer une de ses figures, Silvia Federici, qui nous dit, que l'amour, dans le foyer, dans le couple, est en partie, en grande partie, un voile qui est mis sur du travail gratuit, notamment le travail domestique, les tâches domestiques. Assumé majoritairement, encore aujourd'hui, hein, la jauge a très peu bougé finalement par les femmes, notamment le cœur du travail domestique. Et donc, le propos des militantes dans les années 70 du mouvement Wages for Housework, c'est de dire on sait plus ce qu'est l'amour. De la même façon que dans un système capitaliste très financiarisé, c'est difficile de savoir ce qu'est l'amour. C'est très difficile parce que c'est complètement parasité et quitté par des enjeux qui dépassent largement la création artistique. Ça a peut-être toujours été le cas, j'en sais rien. En tout cas, dans les milieux alternatifs, c'est pour ça que nous, on s'échappe un petit peu dans les milieux indés, dans les milieux alternaux, où il n'y a pas un rond, parce que on est fauché, mais on a une maîtrise sur notre activité artistique, et on sait à peu près ce qu'on entend quand on parle de pratique artistique et de création. Alors que dans la sphère plus professionnalisée, dans la sphère où il y a les moyens, c'est relatif, hein, mais où il y a des moyens, et potentiellement pour les têtes d'affiche, il peut y avoir très 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 grands moyens, eh ben on ne sait plus ce qu'est l'art. Eh ben, les militantes de Wages for Housework, elles nous disent, on ne sait plus ce qu'est l'amour. À quel moment on est en train de travailler, en fait? À quel moment on est en train de travailler pour la classe ouvrière qui elle-même travaille pour le capitalisme? Est-ce que faire l'amour, c'est pas du travail, finalement? Est-ce que repriser les chaussettes, c'est pas du travail gratuit qui bénéficie, in fine, à la classe des capitalistes? On ne sait plus, et donc, il va falloir faire une analyse critique. On va repolitiser le sujet des tâches domestiques en revendiquant un salaire au travail ménager
qui n'est pas un salaire comme fin en soi, pour dire, bah voilà, puisque les femmes sont dans la cuisine, on va les payer, et puis comme ça, on résout une tension. Non, non, c'est pour dire, c'est le point de départ d'une contestation de la répartition genre et des tâches. C'est qu'à partir du moment où il va y avoir salaire, où il va y avoir un statut, où ça va être enchâssé dans un contrat social, on va pouvoir mener des mobilisations, on va pouvoir contester le rapport, et on va pouvoir agir dessus. Et il y a donc cette fameuse phrase restée très célèbre. Je ne sais même pas qui l'a écrit. Je ne sais pas si c'est Federici. Je crois que c'est en exergue d'un texte de Silvia Federici qui dit "They say it is love, we say it is unwage work." Ils disent que c'est de l'amour, nous prétendons que c'est du travail non salarié. Vous voyez, c'est resté assez. C'est resté une phrase mythique. Et vous retrouvez un peu. Un digeste de tous ces débats dans le superbe bouquin de Maud Simonet, Travail gratuit et la nouvelle exploitation, point d'interrogation, qui eh bien, nous parle du travail gratuit, de son introduction dans et par les politiques publiques, mais au prisme du féminisme, en nous expliquant que c'est finalement dans la sphère domestique que s'est créée la matrice du travail gratuit qui aujourd'hui est en train de devenir hégémonique. Y compris et surtout dans les services publics, à travers les services civiques notamment, par exemple, mais aussi dans l'entreprise avec les stages, qui en général, quand ils sont non rémunérés, sont des stages féminisés. C'est très très bien, c'est un très très bon livre. Et on a un point de vue un peu plus, qui est présenté aussi dans le livre de Maud, un point de vue un peu calé par rapport à Wages for Housework, qui est celui des féministes matérialistes, qui nous disent que l'amour, dans sa mystification, dans son côté mystificateur, c'est-à-dire le couple, le foyer, la famille, etc., ne profite pas in fine à la classe des capitalistes. Ça, c'est ce que dit Wages for Housework, mais in fine à la classe des hommes. Voilà, donc elles prennent les hommes comme classe. Bon, tout ça est à discuter. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à lire le bouquin de Maud Simonet, qui est là pour ça et qui est très très lisible et très chouette. Et puis, donc ça c'est un premier aspect, un premier point de vue minoritaire sur l'amour que j'ai présenté en cavalant, quoi, à très gros traits. Mais il y a aussi le point de vue que j'ai évoqué dans l'entretien avec Aurélien, le point de vue de ce que les militants décoloniaux vont appeler les masculinités indigènes et qu'on retrouve dans le rap francophone. Et je m'appuie beaucoup sur des textes de Damso, qui est un rappeur d'origine congolaise, qui est bruxellois, et de Booba, l'ancien Booba, qui lui est un rappeur du 92, et qui, maintenant qu'il revient un peu à la chanson, on n'est plus dans le pur gangsta rap, non, avec l'autotune, c'est très chanté, c'est très musical, et ça a tendance à devenir la nouvelle variété hégémonique, hein, qui, à mon sens, est bien meilleure, par bien des aspects, que ce qu'on pourrait appeler la variété française traditionnelle, à part William Scheller, bien sûr, gros respect à William Scheller. Mais en tout cas, avec le retour de la chanson dans le hip-hop, vous avez aussi le retour de l'amour comme thème central, vraiment central. Hein. Bah oui, dès qu'on fait des chansons, on se met à larmoyer sur nos problèmes de cœur. Et ben, Damso et Booba, notamment, n'y échappent pas. Et ils montrent comment, finalement, dans leurs chansons très tristes, très très bien écrites, enfin, pas tous, hein. Damso, c'est un auteur incroyable, Booba, on ne le présente plus, hein, le Louis Ferdinand Céline 2.0. Dans leurs paroles, il y a quelque chose de l'ordre du fatalisme et du défaitisme qui entraîne une posture très dure, très fermée à l'amour, presque volontariste. On le rejette avec une forme de volonté, on se construit un rejet de l'amour parce que l'amour, eh ben, c'est pas pour nous. Et ça montre finalement en filigrane comment la division genrée des caractères et des activités, mais aussi la conception dominante de l'amour et du couple hétéro, viennent contrarier les points saillants d'une certaine masculinité, en l'occurrence indigène, que sont la virilité, la liberté d'action, l'agressivité et l'indépendance. Bah oui, si je rentre en couple traditionnel, on va dire classique, hétérosexuel, avec une femme qui, on va dire, colle au canon du genre, eh ben, ça va être difficile pour moi de continuer à être un gangster qui roule à fond la caisse en bagnole, qui revendique une indépendance, une liberté sexuelle et une forme de virilité hiératique comme ça. Hein. Si
On commence à être sentimental, à larmoyer, à être déprimé quand ça va pas, à faire des petits bisous. Bon, on perd un petit peu, on perd un petit peu de sa masculinité. Et on a des morceaux qui sont, on a beaucoup de morceaux très bien écrits. Après, faut aimer l'autotune, qui parlent de cet amour qui est pleuré avant même d'être vécu. Je les trouve super. J'ai parlé d'un morceau qui s'appelle Daddy de SDM en featuring. Avec Bob, c'est l'archétype. Je ne peux pas vous le passer parce que si je mets une vidéo YouTube, mon ordinateur va exploser. Mais en tout cas, Daddy de SDM et Booba est formidable et montre comment ces gars pleurent, se construisent une carapace et finalement pleurent un amour qui n'est pas pour eux. On a aussi d'autres morceaux qui parlent du dégoût, vraiment, hein, pour un amour qui serait structurellement, quoi, presque sociologiquement impossible, enfin pas fait pour eux. Et ça, c'est notamment Du mal à te dire, qui est un featuring entre Dino et Damso. Et j'ai fait une petite reprise avec une sélection des phrases, et je vais vous passer ça maintenant. Ça dure pas très longtemps, c'est illustratif. J'avais des remords quand j'allais voir ailleurs. Maintenant j'ai même plus envie de toi, je veux même plus te soulever. Je te trompais donc j'ai tort, mais tu ne vois pas l'amour que j'avais pour toi avant que le temps passe qu'il se mette à me l'enlever. Je crie les feux couvre-feu, 2 heures du mat complètement bourré. Cherche réconfort derrière un sous-vêtement. J'ai du mal à le dire parce que je ne t'aime plus que dans mes souvenirs. L'amour est mort en laissant un testament. Je baby mama, non, je dis pas que t'es ma pute. Bon, je sais pas s'il faut dire ça comme ça, en tout cas. Toi et moi, on ne fera pas d'enfant. Parce qu'en cas de rupture, il sera élevé par autrui. Je n'aurai pas la garde, je devrais juste payer la pension. Je connais déjà la chanson. Y'a pas d'étrangers, y'a juste des gens qui se connaissent pas. Et des gens qui se connaissent qui sont comme des étrangers. J'ai grandi en Savoie, mon daron il s'excuse pas. Quand il a tort, il arrête de parler. Tu voulais démarrer, je voulais rapper ma vie. Tu voulais t'évader, je voulais ma Ferrari. Je suis devenu trop dangereux, comme le vice de ma rue. Je m'en vais pour mieux revenir, comme le fils de Marie. Alléluia, j'ai du mal à te dire ce que j'ai sur le cœur, je me sens mieux quand je suis au volant de la Mercedes. J'ai du mal à te dire que sans toi je peux avancer, mais sans argent je vais nulle part. J'avais des remords quand j'allais voir ailleurs. Maintenant j'ai même plus envie de toi, je veux même plus te soulever. Je t'ai trompé donc j'ai tort, mais tu ne vois pas l'amour que j'avais pour toi avant que le temps passe qu'il se mette à me l'enlever. J'ai les feux couvre-feu, 2 heures du mat complètement bourré. Cherche réconfort derrière un sous-vêtement. J'ai du mal à le dire parce que je ne t'aime plus que dans mes souvenirs. L'amour est mort en laissant un testament. J'ai baby mama, non, je dis pas que t'es ma pute. Mais honnêtement, toi et moi, on ne fera pas d'enfant. Parce qu'en cas de rupture, il sera élevé par autrui. Je n'aurai pas la garde, je devrais juste payer la pension. Mais je connais déjà la chanson. Bon, ça a pris pas mal de pompé pas mal d'énergie à l'ordinateur. Donc voilà, reprise de la chanson Du mal à te dire par Jean-René Lofi, qui est un autre avatar. Vous pouvez regarder le compte YouTube Jean-René Lofi. Pour l'instant, je crois qu'il y a une grosse dizaine de reprises de rap français. Le but de cette chaîne, c'est de transmettre ces textes à des gens qui sont absolument allergiques à l'interprétation originale et à l'orchestration originale, en faisant du guitare-voix très simple et beaucoup plus apte à séduire des gens facilement impressionnés par l'autotune. Voilà, donc ça c'est. On arrive à Warren Lambert, là, à Lambert Warren. Mais avant ça, je vais vous passer une dernière petite chanson, pareil, 1 minute 30, qui montre comment se construit le détachement, le mépris de l'amour. C'est une chanson qui s'appelle Dragon et qui commence par la phrase Pour pas souffrir, j'apprends à ne pas aimer. C'est un sacré programme. Il y a une autre chanson qui s'appelle Geronimo de Booba aussi,
qui finit en disant l'amour c'est pour les débutants. Warren, tu me diras ce que t'en penses. En attendant, je vais vous passer le morceau Dragon, repris par Jean-René Lofi. C'est parti, je vous dis à tout de suite. Pour pas souffrir, j'apprends à ne pas aimer. Tomber, me relever, j'ai pas arrêté. Je suis resté vrai même si je me suis éreinté. Je préfère le R1T qu'être entêté. On perd, on win, on apprend. Le futur sera douloureux, je serai tout devant. Je repeindrai ta vie en bleu. Bien sûr, je tombe amoureux, mais pas longtemps. Je prends tous les virages comme Valentino Rossi. Tout s'habiller en noir, mais la méthodologie. Rien n'est jamais assez beau, rien ne suffit. Elle veut dompter le dragon, c'est Khaleesi. La mélo vient du village, le braco que j'envisage, j'en parle pas. Dois rejoindre l'équipage, j'ouvre plus ses messages, blablabla. Elle aime le moteur et la carrosserie. Dès qu'elle s'attache, l'écrivain fout le camp. Elle pense à moi, c'est comme une maladie. Instable en amour, je suis comme un enfant. Laisse-moi plus de temps. Laisse-moi plus de temps. Laisse-moi plus de temps. Laisse-moi plus de temps. Dragon, instable en amour, je suis comme un enfant. Le mec qui écrit ça, il a 45 ans. Quand même. Pas rien de dire ça. Bien, je crois qu'on arrive à la toute dernière partie de notre live. Ça fait déjà une 45. Hein. Bon, les Twitch, il paraît que ça peut durer 5 heures. Donc, on reste des petits joueurs. Je vais pas tarder à faire apparaître être Warren de façon sonore. Et je vais commencer par vous lire la dernière phrase de L'Argent de Zola. Alors Zola, c'est aussi un rappeur, mais là c'est Émile Zola. Ok? Et L'Argent, donc vous voyez, c'est un reste autant que tu veux. Non, attendez, il faut quand même respecter un format décent. Donc L'Argent, ça parle de la bourse, hein, la bourse de Paris, en le 19e siècle, là, en pleine effervescence de la bourse. Et l'un des personnages principaux, Saka, un moment qui est lui le spéculateur, le risque-tout, un peu le Bernard Tapie d'Émile Zola, dit à un moment, mais il faut pas craindre l'argent, il ne faut pas craindre la spéculation. Oh putain, je suis trop déconcentré par les chats, c'est pas possible pour moi, cet outil. Il dit, Saccard, il dit, il faut pas avoir peur de l'argent, il faut pas avoir peur de l'utiliser, de faire n'importe quoi avec, parce que ça crée l'activité, ça crée la richesse, ça crée la production, ça va faire. Notamment, ils ont tout un projet d'aménagement du Moyen-Orient. On va faire de cette terre où il se passe rien du tout, c'est les propos dans le bouquin, on va faire de cette terre un Eldorado. En déversant des capitaux comme ça dessus pour construire des chemins de fer, des routes, des compagnies, de bateaux, des trucs, c'est incroyable, ça va être un truc de ouf. Et donc Saccard dit, faut pas avoir peur de l'argent. L'argent, c'est ce qui crée la production. Et de la même façon que le sexe, même le sexe exagéré, même le sexe débridé, même le sexe dégueulasse, eh bien, il peut créer la vie. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Bon, là, c'est pas le n'ayez pas peur de Jean-Paul Devin, vous avez compris. Et la dernière phrase de l'argent est la suivante. Pourquoi donc faire porter à l'argent la peine des saletés et des crimes dont il est la cause? L'amour est-il moins souillé, lui qui crée la vie? Warren, qu'est-ce que t'en penses? L'amour est-il moins souillé, lui qui crée la vie? Allez, je t'invite à me rejoindre sur Discord et je vais nous podcaster. Alors, je ne sais pas, je te dis quand tu peux y aller. Ok. L'amour est... non, mais c'était très intéressant.
Très intéressant tout ça. Vraiment. Et je trouve ça intéressant en fait de finir par, enfin d'introduire par Zola. Parce que rien que par le titre, moi j'ai pas lu évidemment, mais rien que par le titre, je trouve que ça donne une notion intéressante, en tout cas ça donne un nouvel angle intéressant, peut-être qui est pas entièrement, c'est la question effectivement des échanges et le fait que est-ce qu'on peut essayer de considérer l'amour comme un échange, puisqu'on dit souvent c'est un rapport, quoi, enfin un ensemble de rapports, quoi. Et moi, ça m'intéressait en tout cas un moment, cette question des rapports. C'est-à-dire le fait de peut-être définir aussi, bien que j'ai horreur de ce mot, hein, je trouve que c'est vraiment le mot, pas le mot amour, hein, je trouve que c'est vraiment un vilain mot. On y reviendra, hein, mais que c'est vraiment un vilain mot qui excuse beaucoup trop de choses. Qui est à mon avis comme un vêtement, quoi, trop ample pour nous. Mais. Il y a la question du rapport qui est très intéressante parce que j'avais un moment de me dire peut-être que, en tout cas, ce qu'on appelle amour, en tout cas, ce que moi, mon petit bricolage perso, j'ai essayé de me faire comme définition de ça, c'était cette question de justement aller vaincre tous les rapports. C'est-à-dire, tous les rapports pour avoir quelque chose déjà qui dure. Quelque chose qui pourrait en tout cas peut-être se rapprocher de ce que les gens appellent amour. Donc, les rapports de séduction, les rapports de pouvoir, les rapports d'amis-mêmes, qui peut-être les englobent tous, mais en tout cas les dépassent un moment. Et c'est peut-être en dépassant tous ces rapports successifs, bon, c'est évidemment peut-être le travail d'une vie aussi, mais il s'avère qu'avec des gens c'est possible. C'est pour ça que ça donne toujours un peu d'espoir. Parce que il y a des personnes avec qui c'est possible, mais on s'en rend compte, je pense, à mon avis, le moins. Comment dire, c'est ces personnes avec qui c'est possible, je pense, à qui on fait qui on prête le moins attention, je pense. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Eric, mais moi j'ai toujours senti ça, que c'était toujours finalement les personnes avec qui ça. Ça pourrait avoir un sens si on voulait, mais du coup, en plus, ce sens-là tombe de le dire et de le définir comme ça avec ce mot-là, ce mot d'amour. Mais c'est souvent ceux, en fait, je pense auxquels on prête le moins attention, quoi. Parce que c'est dans un cercle trop proche, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans l'intensité, pas quelque chose qui, avec des grands hauts et des grands bas, c'est quelque chose comme ça qui se construit dans une sorte de quotidienneté et de quelque chose d'assez doux, en fait. Et en même temps, je pense qu'il y a une base. Donc voilà, il y a une question là, en tout cas, dans le titre de Zola, que je trouvais intéressant. C'est que l'échange, cette question de l'échange, parce que du coup, l'argent, c'est forcément ça, quoi. C'est notre dieu visible, comme disait Bresson. Mais du rapport, derrière, plutôt l'échange. Alors, je sais pas toi ce que ça t'évoque ou pas. Et peut-être qu'après on pourra glisser sur le bory, mais. Bah, écoute, moi, je suis très, très circonspect en ce moment et je me trouve un peu grotesque à 37 ans passés de me poser ces questions pour la première fois. Ça a peut-être été la raison de mes précédents succès et échecs, je sais pas, mais en tout cas, c'est pour ça aussi que quand Simon m'a proposé, d'ailleurs merci Simon pour la technique, pour tout ça, pour tu as permis de rire. Quand Simon m'a proposé d'animer un des lives du flux, bah la seule chose que j'avais à dire sur le moment, c'était sur l'amour pour moi, parce que c'est un grand sujet de questionnement en ce moment. On me rend compte que c'est quelque chose que j'ai pris comme une espèce d'évidence. Peut-être que ça vient de la vulgate, peut-être que ça vient de la conception mainstream de ce phénomène. Voilà, j'ai pris ça comme un truc qui, ça vient, ça coule ou ça coule pas. Si ça coule, ça coule. On se pose pas de questions. On y va. Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu que célébrissime chanson d'Erika Mitsuko
a été cité, oui, bah, c'est vrai que ça finit assez souvent, ça finit en tout cas, ça finit souvent, voilà. Pour la première fois, je m'interroge. Donc quand tu m'as mis ce bouquin entre les mains, là, L'éloge de la fuite, c'est vrai que bah, j'ai tout de suite remarqué ce que tu as dit quand tu as pris la parole, hein, c'est que pour Henri, pour Riton, l'amour, un grand A d'ailleurs, comme anarchie, notre grand A, est une pure construction qui sert à justifier toutes sortes de dominances. Lui, son obsession, c'est ça, c'est les dominances. Comment les dominances se créent dans la politique, dans le militantisme, dans l'amour, dans la science, etc. Et la citation que j'ai notée, c'est quasiment ce que tu as paraphrasé tout à l'heure, finalement, c'est avec ce mot amour, on explique tout, on pardonne tout, on valide tout, parce que l'on ne cherche jamais à savoir ce qu'il contient. Bah voilà, bah pour la première fois, je cherche à savoir un peu ce qu'il contient. C'est ce que j'ai à en dire pour l'instant. Si tu pouvais nous parler un peu de ce qui t'a frappé dans ce livre, ce qui fait que quand je t'ai parlé de mes propres questions, tu me l'as mis entre les mains, j'en serais très content. Bah déjà, c'est le titre. Mais c'était le titre parce que je pense qu'il fallait que tu penses qu'il fallait que tu fuis un peu tout ça. Et là, en fait, donc moi j'ai entendu parler de lui dans un film de René donc, qui s'appelle Mon oncle d'Amérique. Reprend en fait certains préceptes. Donc principalement de ce livre-là. Et parce que ce livre, en fait, il est fait juste avec des mots. Des mots ou des sortes de thèmes. Oui. Et apparemment, c'est une structure, c'est ce qu'il dit au début, c'est une structure qui était presque, qui était dans la collection où on l'a invité à venir écrire. C'était une structure apparemment déjà existante. Donc c'était une sorte de grande revue en fait de différents thèmes et on lui a demandé du coup de créer sa pensée autour de ces grands thèmes-là. Effectivement, Simon nous dit je crois que c'est possible, ce qui est peut-être possible. Encore une fois, moi c'est le seul, hormis le livre de, hormis le film de René, c'est le seul livre que j'ai lu de la Bory, donc on va dire. L'amour, c'est un des premiers chapitres. Le premier, je crois que c'est l'autoportrait. C'est très intéressant, ça aussi, on y reviendra. Parce qu'en fait, c'est même intéressant, voire capital, parce que après autoportrait, avec les premières phrases que tu as lues, et en fait, on se rend compte qu'après, il y a la liberté, il y a l'idée de l'homme, il y a l'enfance, il y a tout un tas de chapitres. Et en fait, on se rend compte que ce que développe Labori, c'est d'abord en fait de faire un retour sur soi. Alors évidemment, comme c'est un neurologiste, il parle principalement du système nerveux, en disant que, ça c'est ce qu'il dit aussi dans le film de René, c'est-à-dire que quand l'homme aura la connaissance de son système nerveux, il pourra se permettre en fait d'avoir une imagination qui lui permettra peut-être de dépasser ses automatismes, automatismes dont pour moi l'amour est absolument. Ah, c'est complètement compris dedans, hein. C'est pas simplement que des automatismes de pensée, de l'âge. Voilà, comme c'est quelqu'un qui a étudié le comportement, c'est aussi pour moi complètement un comportement, hein, l'amour. Et comme tu disais, moi c'est pour ça, mais c'est normal, parce que je pense que personne se pose la question. Je pense que Labori est intéressant là-dedans, parce que c'est quelqu'un qui a démontré. Enfin, on va essayer en tout cas de démontrer que c'était que ce qu'il appelle la niche environnementale, donc c'est-à-dire tout ce qui conditionne un individu depuis son enfance, l'empêche évidemment de se poser des questions sur son propre conditionnement, c'est-à-dire sur les choses qu'il pense comme étant presque tombées du ciel, échues complètement, échu d'une sorte d'immanence comme ça, quelque chose qui tient un peu comme des empreintes digitales, quoi. On a un moi comme ça qui nous appartient et qui nous appartient du coup d'explorer, qui est unique pour chacun. Enfin, voilà. Et ça, c'est évidemment une des fictions premières pour lui. C'est pas le seul d'ailleurs. Moi qui me suis intéressé à aussi, qui est un philosophe d'ailleurs qui est mort il n'y a pas si longtemps.
et qui lui avait vraiment eu un fait réel. Il a fait notamment un petit livre que je conseille d'ailleurs aussi, hein, qui est vraiment presque un petit pendant très intéressant à l'éloge de la fuite, et qui est son qui s'appelle Loin de moi, étude sur l'identité. Donc il y a un petit livre vraiment sur cette question-là. Et donc comme je disais, le livre, en fait, bien qu'il brasse soi-disant des thèmes un petit peu généraux, en fait, tout revient à la question de l'identité. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Tout revient à cette question de l'identité, et donc, pour lui qui est neurobiologiste, tout revient à la question, en fait, de la connaissance, en fait, que pourrait avoir chaque individu de comment son système nerveux. Et le fait qu'en fait ce système nerveux, malheureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure et comme tu l'as cité en fait avec le second rien, c'est-à-dire il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'air de l'amour dans le cerveau. Il y a des faisceaux, c'est ce que dit Laborie. Il y a des faisceaux de plaisir, il y a des faisceaux de la punition, de la douleur. La récompense. Voilà, de la récompense, de la gratification, pas de zone de l'amour. Il dit justement que ça faciliterait les choses, mais justement, ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, il donne tous les mots transcendants, hein, tous les mots qui sont vraiment nés de l'homme et de sa soif de transcendance, donc l'amour, Dieu, la religion, enfin, tout un tas de choses qui peut se mettre là-dedans. Effectivement, c'est souvent en fait une manière de se donner un petit peu de se donner de l'élan, quoi. Ah ouais, ça serait bien d'aimer son prochain pour ce qu'il serait, ça serait bien de me faire, de croire moi-même que j'ai en fait et du manisme en moi, etc., etc. Mais souvent, en fait, il n'y a qu'une recherche du plaisir. Et donc, voilà, recherche du plaisir et un évitement, une fuite, en fait, vis-à-vis de tout ce qui pourrait éventuellement me causer en fait blanc. Et que l'apprentissage de toute façon se fait sur ces deux modes-là, et que ce qu'il appelle le réenforcement, c'est-à-dire le fait de vouloir reproduire ce qui vous fait plaisir, soit d'éviter ce qui vous a fait en fait du mal la première fois, et ben voilà, c'est quelque chose qui est par contre dans un des trois cerveaux, puisqu'il en distingue trois, un des trois cerveaux qu'on a et qui compose en tout cas notre système nerveux. Et donc, est celui de l'apprentissage. On retient simplement ce qui nous est agréable et on essaie d'éviter ce qui nous est désagréable. Et dans le film de René, c'est très intéressant parce que c'est à partir d'expériences évidemment sur des rats. Et donc, il fait cette expérience en fait que le rat qui reçoit des coups d'électricité dans les pattes. La première fois, évidemment, il la reçoit, il ne sait pas qu'il va la recevoir, mais il y a une porte, une cloison qui lui permet de passer après à un autre endroit. Donc là, il sait qu'il peut l'éviter. Et puis, quand on ferme la porte et que du coup, il se prend les décharges et qu'il sait qu'il ne pourra pas fuir, il y a un phénomène d'inhibition et c'est à ce moment-là qu'il développe en fait des maladies. Mais si on met un autre rat dans la cage, qui prennent tous les deux les décharges électriques, les deux vont se battre, les deux vont se mettre en fait sur leurs deux pattes arrière, vont commencer à se battre, et en fait se battre, c'est une action complètement utile, mais qui leur permet en fait du coup d'éviter l'inhibition. Donc en fait, ce que dit tout Laborie, c'est que notre système nerveux, il n'est pas fait pour penser, il est fait pour agir, et que tant qu'on agit globalement, eh ben, c'est là où en fait où on reste, maintenir sa structure biologique. Donc on maintient sa structure biologique. Et moi je crois complètement que l'amour en fait ça sert aux gens à agir. Voilà. Peu importe qu'on le fasse mal ou bien, c'est ce que lui démontre avec ces deux rats qui s'agressent et qui en s'agressant, alors qu'ils n'échappent pas à la douleur de la décharge électrique, ne contractent pas de cancer, n'ont pas en fait le lâche qui de se mettre à virer, etc. Reste parfaitement, ne font pas d'hypertension. Et ben pour moi, en fait, on peut se dire finalement, dans un cas d'amour un rapport amoureux
comprend deux personnes, il y a finalement ce même phénomène. Même si on peut se faire du mal, au moins on agit. Et comme on agit, on a le sentiment au moins d'avoir le contrôle et la maîtrise des choses, même si c'est juste aussi. Plein de choses comme ça, de petites passerelles qui, moi, m'ont beaucoup plu. Et voilà, qu'on peut extrapoler, je pense, à mon avis, à la question qui est là. D'ailleurs, Aurélien, l'autre Aurélien, dans l'entretien que j'ai diffusé, a fait un peu ça. Alors, bien sûr, il nous a donné tellement de références qu'il va falloir que je revoie l'entretien pour savoir qui parle de ça, mais il a parlé d'une tradition dans la philosophie qui parle de l'amour comme chose agissante, comme chose qui te permet d'augmenter ton agir, ta fraîcheur, ta vitalité, etc. Donc, il y a peut-être des liens à faire entre les deux discussions, mais il va falloir revenir sur les sources. Ah, je précise hein, pour les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, tout le monde ne connaît pas forcément Henri Laborie. Donc, j'ai ouvert Wikipédia parce que je connais pas grand chose de Laborie. Donc c'est quelqu'un qui est né au début du 20e, hein, en 14, et mort à la fin du 20e, en 95, et qui était à l'origine médecin militaire. Et il a été médecin et chirurgien militaire, et par la suite c'est devenu un biologiste plutôt, et un des précurseurs des neurosciences, et il a fait beaucoup de recherches autour des neuroleptiques. Visiblement c'est quelqu'un qui a permis, en tout cas au moins en France et en Europe, des avancées assez importantes dans les traitements justement de souffrances psychiques ou pire, de plus graves de problèmes psychiatriques. Voilà, et puis c'est aussi quelqu'un qui, plutôt vers la fin de sa vie, vers la fin de sa carrière de scientifique, a viré intellectuel, hein, dans les années 70, 80, donc quelqu'un au croisement de l'art, etc. Bon, là, j'ai vu qu'il avait fait partie d'un truc qui, c'est dans sa fiche Wikipédia, d'un truc qui s'appelle le groupe des 10 au début des années 70, avec des noms aussi illustres que Michel Rocard, Jacques Attali, Michel Serres, Edgar Morin et Alain Laurent, bon, ceux qui nous ont le plus aidés. Laborie, pour l'instant, d'après ce que j'ai lu, est sans doute le moins pire de cette brochette de connards. Alors, il y a quand même un truc un peu... Je sais pas si je vais te laisser répondre à ça, mais il y a quand même un truc chez Laborie qui a un peu... Alors, il propose deux solutions, mais il a quand même, que je vais énumérer, mais il a quand même un discours assez, pour le coup, très déterministe, au sens biologique du terme, puisque comme tu l'as dit, Warren, il nous dit qu'on a un système nerveux qui intègre des choses qui nous viennent de la génétique, de la nature, mais aussi des choses qui viennent de ce qu'il appelle la socioculture. Et ce système nerveux, donc, il contient des pulsions qui répondent à des nécessités. Voilà. Et donc, on est déterminé par ces pulsions, en grande partie, et il dit texto, hein, à la fin du bouquin, Éloge de la fuite, que finalement, ce qu'on appelle la liberté, avec un grand L, ou le choix, c'est un fantasme. Voilà, on peut faire... La seule chose qu'on peut faire, c'est tenter d'agir au mieux pour brider l'inclination à la dominance et à la hiérarchie. Parce que c'est une des grandes obsessions de Laborie dans tout le bouquin, c'est de dire que finalement, nos pulsions intégrées dans notre système nerveux, elles ont plutôt tendance, comme tu l'as dit Warren, à nous faire nous retourner contre nos congénères pour notre agressivité, pour exercer notre puissance d'agir et finalement pour survivre, donc prendre le dessus, peut-être faire travailler les autres utiliser certaines choses des autres à notre profit, etc. Ce qui rejoint aussi certains aspects, des propos féministes. Je parlais de Stromquist tout à l'heure, de l'amour comme manipulation, hein, qui permet d'assouvir un besoin narcissique. Ben, ce serait quelque chose, finalement, si on écoute Laborie, qui serait inscrit dans notre système nerveux. Alors du coup, il dit que ce sera toujours la merde, hein, que ce soit le couple, la politique, la famille, ça je suis assez d'accord avec lui. Mais là où je suis moins d'accord, finalement, il nous dit la seule chose à faire face à ça, c'est... Alors il a deux grands projets politiques qui sont tout à fait nobles. À la fois il dit il faut se battre pour une espèce d'autogestion planétaire, mais à l'échelle planétaire, parce que tant qu'on reste dans le cadre des nations,
on est perdant, on va refaire de la hiérarchie. Et il faut aussi, comme tu l'as dit Warren, une diffusion de l'information, ce qu'il appelle l'information, la connaissance scientifique, les arts, les savoirs, une diffusion de l'information la plus large et la plus équitable possible pour qu'on sache qu'on ait une connaissance de ce qu'on fait et qu'on puisse avoir une petite chance d'agir au mieux malgré nos déterminismes. Mais finalement, il nous dit pour, voilà, à titre individuel, on a une solution. La première solution, c'est d'être systématiquement contre tout équilibre institué. Même si c'est un équilibre qui a des belles valeurs, de justice, etc., bah, faut quand même recréer une minorité contre cette, contre cet équilibre, parce que finalement, toute majorité est tyrannique et sert un projet de dominance. Et si on ne veut pas faire ça, ce qu'il comprend tout à fait, parce que c'est épuisant, eh bien, il faut fuir. D'où éloge de la fuite. Il faut fuir, et notamment dans l'imaginaire. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça un peu, Warren? J'ai pas très compris ce qu'il veut dire par fuir dans l'imaginaire. Est-ce que tu as compris, toi, de quoi il était question? Alors, en fait, le message sur la liberté, moi, je trouve que c'est un des plus intéressants, parce que c'est ce que je te disais. En fait, le passage sur la liberté, il dit quelque chose qui, pour moi, par contre, est vraiment intéressant. En dehors des failles, il y a ça que je suis tout à fait à reconnaître. Hein. Je veux dire, pour moi, c'est pas une bible. Hein. C'est comme d'ailleurs tout ce qui pose les choses qui arrivent sur nos chemins. Hein. On sait pas exactement à chaque fois si c'est parce que ça corrobore des choses qu'on pense nous-mêmes et qui, du coup, sont exprimées d'une manière encore plus claire et encore plus cohérente. Donc, du coup, on les fait siennes. Moi, c'est toujours une boîte à outils, évidemment, les choses. Il y a des fulgurances toujours comme ça dans les auteurs qui sont intéressantes à prendre. Et puis, il y a des choses qui sont, on va dire, avec... voilà, il y a du recul et du devoir. Maintenant, la question de la liberté, elle est intéressante parce que ce qu'il dit dedans, pour le coup, ça, je trouve que c'est une base, à mon avis, très... J'avais pas, en tout cas, depuis moi aussi, pareil, hein, mes 37 ans que j'ai, j'avais pas entendu quelque chose dit aussi limpide et en même temps évident, quoi. C'est-à-dire, la liberté, c'est pas... ça commence où, celle de l'autre, etc. Enfin, toujours de conneries, de dictons à la con. C'est vraiment de dire... Si je reconnais que l'autre est libre de penser ce qu'il pense, globalement, c'est ça qui provoque les guerres. C'est-à-dire, si je commence en fait à dire effectivement, l'autre toute cette question qu'il pose sur les conditionnements, les déterminismes, etc., il y a le fait de dire, si l'autre est... On est dans une situation où on croit que tout le monde est libre, globalement, puisque moi je détiens la vérité et que l'autre pense à détenir aussi, s'il pense que moi je pense la détenir, forcément son projet, hormis à de rares, mais quoi qu'il arrive, à un moment, en tout cas, je vais me confronter à quelqu'un dont le projet est différent du mien, dont les vues sur le monde sont différentes des miens, dont tout un tas de choses. Donc forcément, ça, si ça rentre en compétition ou si ça rentre en fait en contradiction avec mes projets, la seule manière pour moi, c'est-à-dire la seule manière pour moi, c'est de répondre par une destruction de l'autre. Si par contre j'admets que lui comme moi, malgré qu'on puisse venir en fait de droit du monde et d'endroits social très différents, etc., nous sommes tous en fait des gens issus, donc comme je disais, de notre mental, et donc il n'est pas plus libre que moi d'avoir les idées qu'il a, bien qu'il peut éventuellement prétendre être libre de penser ce qu'il pense. À ce moment-là, il y a une forme basique, et là qui ne recourt pas en fait à des humanismes de pacotille, il y a une forme basique de tolérance qui se met en place. C'est-à-dire d'être tolérant face à quelqu'un dont on peut reconnaître en fait qu'il est absolument libre, enfin pas libre du tout sur rien depuis le début. C'est-à-dire sur... Voilà. Moi j'en parlais par exemple il y a deux jours avec Arthur Louis, c'est-à-dire sur la question de l'écriture et des influences et tout un tas de choses en fait qui peuvent rentrer dans la création artistique. À quel moment on pense, quand on commence à faire des choses et qu'on commence un peu à conscientiser ces questions-là, à quel moment on pense vraiment qu'on a de la maîtrise sur les choses qu'on aime? C'est-à-dire à quel moment on pense vraiment qu'on choisit les choses qu'on aime? À quel moment on pense... Moi je me suis rendu compte plein de fois dans mes histoires amoureuses que il y avait énormément de choses, souvent malheureusement après, des fois de plus en plus pendant, qui faisaient appel à des choses absolument tout à fait distinctes de la personne, qui m'appartenait absolument à moi. J'aimais certaines personnes pour des choses qui étaient absolument en dehors d'elles, quoi. En dehors, je dis d'elles parce que c'est des femmes en l'occurrence, mais absolument en dehors d'elles.
appartenait plus, qui était plus quelque chose qui m'appartenait à moi. Et donc, à partir du moment où on se dit comment cette question, à quel moment on pense réellement tout d'un coup, qu'on arrive à vraiment maîtriser sur les choses qu'on aime, moi je pense qu'au plus on avance dans l'âge et plus en fait un certain nombre de choses et d'automatismes aussi ils sont toujours là, toujours présents, et que c'est compliqué. Alors on essaie juste simplement de ne pas faire fausse route, dans le sens d'essayer de se poser ou d'aller vers des pensées, vers des films, vers des choses qui l'air en fait de fonctionner un peu comme un antibiotique, c'est-à-dire de tout remettre à zéro systématiquement. Il y a 2 jours, je parlais avec Arthur Louis de Kaufman, c'est parce que pour moi, ce sont des films aussi qui, dans la continuation de Rosset, dans la continuation de Laborie, remettent les compteurs à zéro sur des questions en fait les plus fondamentales, c'est-à-dire ce que je te disais, la liberté chez Laborie, où l'ensemble de son bouquin et le jeu de ne ramène qu'à une chose, c'est soi, mais pas d'une façon narcissique. C'est soi d'une façon où le cœur du problème est toujours évidemment en nous. C'est-à-dire tout se passe, moi je pense que ton rapport amoureux, comme tes ruptures, comme ta douleur, évidemment tout se passe en soi. Le mental, c'est dans le sentimental. Enfin, le sentimental est dans le mental, quoi. Toujours, quoi. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on se dit comment on pourrait arriver à ce que le sentimental soit déchantal. Et c'est impossible, on se rend compte majoritairement qu'on vit nos histoires plutôt de tête, quoi. Mais là, Aurélien, l'autre Aurélien parlait de quelque chose d'intéressant sur l'érotisme, etc. Il faudrait effectivement encore revoir son intervention là-dessus, c'est-à-dire sur toutes les strates et tous les. Et toutes les. Finalement, moi je dis les stratégies qui peuvent intervenir dans la question du rapport au corps. Moi, ça m'intéressait à un moment, ça m'a. Bon, toi, tu le sais, peut-être nous écoutent, mais ça, le rapport par exemple à la boxe. J'avais lu des choses comme ça quand je m'intéressais à la boxe, ça veut dire le fait que sur un ring, finalement, c'est en se confrontant au corps de l'autre qu'on arrive à se remettre dans son propre corps à soi. Donc le physique, évidemment, est intéressant, mais en dehors du physique, on a l'impression quand même qu'énormément de choses se passent plutôt dans la tête, et ça, c'est enfin, vertigineux et tragique, quoi. Mais donc, bref, enfin, cette petite digression. Donc, pour revenir à la question de la liberté, c'est que, comme je disais, elle est pour moi au fondement de ce qu'est sa pensée, ce qui est intéressant dans sa pensée, quoi. C'est-à-dire, voilà, puisqu'on parle des automatismes, des déterminismes, des conditionnements, motivation inconsciente, donc l'un des 3 cerveaux. Qui effectivement fournit tout le travail absolument d'excuses, d'alibi en fait à toutes nos motivations inconscientes, hein, avec lesquelles on peut élaborer donc tout un tas de fictions, tout un tas de choses, mais y compris notre altruisme et notre humanisme, etc., ou notre amour, quoi. C'est-à-dire le fait qu'on ait éventuellement quelque chose à donner, quoi. Même moi, je t'avais écrit ça il y a quelques jours quand je t'avais envoyé quelques mails, c'est-à-dire tension, en fait, incroyable, qu'on a quelque chose à donner, quoi, quelque chose qui vaut la peine, quoi. Ça, c'est quand même une espèce d'arrogance assez. Et tout le monde a, quoi. Ça revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire le fait qu'on pense vraiment que l'amour, c'est quelque chose d'échu, c'est quelque chose qu'on a en don. C'est un don qu'on reçoit, construit. Et d'ailleurs, qu'on ne veut pas la plupart du temps questionner, quoi. Pas questionner le rapport à la famille, les choses qu'on a vues, et aussi d'amour des autres. Les histoires d'amour des autres. Moi, on discutait évidemment de manière plus privée sur des histoires d'amour et les tiennes. Et tout ça, en fait, je pense, à mon avis, nous. Alors, voilà ce que je dis à chaque fois, faut qu'on essaye de pas que ça sente la rancœur et le cynisme, quoi. C'est surtout ça. Mais c'est peut-être en arrêtant simplement, je te dis, d'avoir recours à ces mots-là, quoi, à ces mots sur lesquels, voilà, 19% de la littérature de fiction, les romans, etc., continuent à faire, les films, etc., quoi. Mais un film y arrive quand même à proposer des pas de côté intéressants. À montrer, par exemple, plutôt des mauvais exemples, mais pas. Oui. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, Encore une fois, tout ça est prêt en.
Je trouve que Laborie va très loin dans son idée du déterminisme à la fois biologique et socioculturel. Il dit à un moment, son père était lui-même médecin militaire, chirurgien militaire. Il est mort très jeune, à 31 ans, je crois, d'une maladie tropicale. Et il dit, je suis devenu mon père. Voilà. En gros, il a été programmé pour ça, par son environnement. D'ailleurs, c'est intéressant. Le mot qu'il utilise, c'est quoi? C'est niche écologique ou un truc comme ça, dans les années 70, quoi. Il l'utilise énormément. Niche environnementale. Niche environnementale. Et voilà, donc il a été déterminé par sa niche environnementale à pallier le fait que son père est mort, et donc à devenir son père pour compléter la vie de son père. Enfin, il va fort, quoi. Mais après, je trouve pas, même si des fois je me suis dit, putain, le gars, il va vraiment très fort sur le déterminisme, mais en même temps, c'est pas non plus un livre qui s'oppose à la notion de liberté ou même au phénomène de l'amour. D'ailleurs, c'est quand il parle de la liberté et de l'amour de façon critique, il met des majuscules, il met des lettres capitales au début, c'est-à-dire la liberté est comme une espèce de concept donné. Et justement, non réfléchi. Et ce qu'il dit dans son petit chapitre sur l'amour, c'est que c'est un mot avec un grand A qui va recouvrir toutes sortes de saloperies. Si on ne réfléchit pas à ce que c'est, à ce qu'on est en train d'en faire, après, ce n'est pas non plus une condamnation de l'amour, ni un livre qui dit que puis, qui, bah, je sais pas, dans une tradition par exemple réactionnaire, qui pourrait dire que. Puisque la liberté n'existe pas et qu'on est déterminé, et bah, il ne faut même pas chercher la liberté. Il nous dit quand même qu'il faut faire au mieux dans ces directions-là, et notamment sur la liberté, sa solution politique, qui n'est pas décrite du tout, hein, c'est juste un titre, c'est l'autogestion planétaire. Donc il n'est pas contre la liberté, je pense pas qu'il est contre l'amour non plus. Je l'ai lu ça. Tu m'entends? Ouais, vas-y. Alors lui, il y a un peu à un moment une comparaison. Il dit en fait que ces choses-là, c'est un peu comme la question de la gravité, c'est-à-dire en fait enfin, la gravitation, quoi. Il dit que en fait, on a étudié les lois gravitationnelles, hein, et que ça nous a jamais, en fait, en les étudiant et en les connaissant, jamais permis de voler, par ailleurs. Mais ça nous a permis d'aller sur la Lune. En gros, bon, voilà, c'est la petite phrase un peu formule comme ça qu'on peut retenir. C'est vrai, en fait, ce qu'il dit, en fait, sur le fait que, en gros, l'imagination pour lui, c'est ce qui est atteint au bout de la connaissance. Ça veut dire, en fait, c'est ce qui est après une nouvelle ignorance. C'est-à-dire repasser par tout un cycle de connaissances. De connaissances que lui assume réelles, et donc j'imagine que de son point de vue aussi avéré, voilà. Mais que une nouvelle ignorance peut arriver une fois que toutes ces connaissances-là sont acquises. Et à ce moment-là, l'imagination peut provoquer quelque chose de neuf qui permet de sortir des automatismes qui, maintenant, en fait, bon, voilà, sont pérennes depuis en fait des siècles et des siècles. Donc, il emploie cette comparaison avec les lois de la gravitation. Et bon, la métaphore peut parler ou pas parler, mais c'est vrai que je te dis, moi, parce que j'ai lu des philosophes comme Rosset, parce que des livres, par exemple, les plus vendus dans le milieu intellectuel, l'amour, ça reste le livre de Barthes, ça reste les fragments d'un discours amoureux, par exemple. Et les fragments d'un discours amoureux, quand tu le lis, ça va procurer la même chose qu'avec Laborie, c'est-à-dire que tu as une sorte de très très grande dépressurisation, tu as l'impression en fait d'avoir enfin quelque chose qui va absolument sonder le tréfonds de ton âme et de tout, tu vois, tu t'y retrouves absolument, etc. etc. Et puis, à un moment, en fait, quand tu le relis plus tard, tu te dis en fait que ça donne absolument aucune issue, aucune piste de sortie, aucune. Ça dresser un inventaire
des pires comportements en fait qui sont le comportement de tout le monde quoi. Et la psychologie, c'est-à-dire la psychologie, j'entends la conscience qu'il y a psychologique dans nos comportements. C'est-à-dire et donc quand tu mets ça au regard, enfin avec la question vraiment beaucoup plus scientifique et beaucoup plus voilà sur la neurobiologie en fait que développe Laborie, c'est intéressant quoi. Parce que c'est vraiment en fait bien un comportement. Quand je parlais des rats, c'est vraiment son voilà par une expérience simple, c'est ce qu'il montre. Mais c'est voilà le livre qui fait par exemple date aujourd'hui sur le truc ouais, non, aussi le truc amoureux, c'est le livre de Barthes par exemple. Ça c'est celui qui continue à être un best-seller pour les gens qui voudraient en fait pas un livre de fiction, mais un livre en fait qui essaie de parler du problème. Quand tu écoutes des interviews de Barthes, en fait, c'est des interviews où il parle en fait de la solitude du sujet amoureux. Parce que finalement, quand il s'agit de se penser lui-même, le sujet amoureux, il a pas beaucoup de choses. Il a des films en fait qui lui permettent du coup d'avoir des personnages qui il peut plus ou moins se refléter, mais il n'y a pas voilà. Et ce livre-là, moi, je l'ai beaucoup aimé, le livre de Barthes. Mais tu te rends compte en fait que ça te, hormis également, ça te fait pas du tout sortir de ça. Ça te permet pas en fait du coup de dire pourquoi, comme tu disais au début, comment ça se fait qu'on morfle, comment ça se fait que c'est pour ça. Moi, ma réponse individuelle, hein, qui est pas du tout vérité évidemment absolue, hein, ma réponse à moi, que c'est toujours un peu lié à la question en fait, à la question du moi, hein, à la question du moi, à la question de cette identité et du fait qu'en fait, encore une fois, on se croit avec énormément de choses à donner, qu'on croit énormément que c'est quelque chose qu'on a en nous, quoi, pas du tout construit, pas du tout, voilà, pas du tout fabriqué, quoi, que c'est quelque chose de pur, une sorte de pureté comme ça, ou qu'on recherche, ou qu'on essaie de donner, et que du coup, on est prêt au pire aussi, hein, on est prêt au pire, à être vraiment détestable avec les gens qui n'arrivent pas à le voir, à être vraiment, être une personne qui est capable d'une violence, et d'une violence pas physique du tout, mais d'une violence, je veux dire, autre, quoi. Et ça, voilà, moi, ça, c'est bon, c'est mes réponses provisoires, on va dire. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont pas propres à l'amour. Et finalement, le bouquin d'Henri Laborie le montre, puisque c'est un essai qui traverse plein de thématiques, à la fois évidemment l'amour qui vient très tôt dans le livre, mais aussi la politique. Et j'ai l'impression quand même que c'est pas des choses qui sont cantonnées. Alors peut-être qu'elle trouve une expression individuelle paroxystique dans l'amour, puisqu'il s'agit d'un rapport dans le modèle majoritaire entre deux personnes, entre deux individualités comme ça. Et donc forcément dans ce tout petit cercle qui se crée, cette petite bulle qui se crée, qui est très très resserrée et très très palpable dans les premiers temps de l'amour notamment. Et ben oui, les comportements et les pulsions et également les dérapages de ces pulsions sont visibles à l'échelle individuelle. Mais après, j'ai l'impression que c'est pareil dans la politique. Politique entendue au sens large. Là, je parle pas de l'Asie politique. Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Je parle de la façon dont on s'organise et dont on crée des institutions pour vivre en collectivité. C'est ça la politique, dont on agence des droits des obligations, en l'occurrence dans le monde qui est le nôtre. Et là, c'est pareil aussi. L'individu va aussi. Il y a une forme. Le narcissisme joue. Également dans la structure politique, comme il joue dans l'amour, et Laborie finalement nous montre que son modèle à lui, sa grille à lui, bah, elle joue effectivement dans le champ, le travail, je prends le travail, le plaisir, la liberté, l'enfance, voilà, bah, à chaque fois on retrouve finalement les mêmes mécaniques à l'œuvre. Alors peut-être que, faut qu'on, encore une fois, il faut que je regarde, que je revisionne l'entretien avec Aurélien, mais peut-être que dans l'amour ça trouve une pression. Une expression particulière, mais je vois pas de, je sais pas, moi j'avais l'impression qu'il n'y a pas de spécificité à l'amour par rapport à, par exemple, la politique, même dans une optique communiste de la politique, par exemple, il y a forcément un aspect narcissique, un aspect d'individualisation
est très importante. Et même Marx le conçoit, hein. C'est Lucien Sèvres notamment qui travaille, qui est un philosophe qui est mort pendant le Covid, là, à 93 ans, qui travaille beaucoup sur la personne humaine dans le cadre d'une pensée communiste. C'est un communiste un peu hétérodoxe, mais voilà, il montre aussi que, comment dès Marx, on a ce souci permanent de. Voilà, l'humanité est double, elle prend à la fois le visage d'une biographie individuelle et le visage d'une histoire collective. Et bien, la biographie individuelle et la notion d'individualisation, elle est aussi très très présente, y compris en cadre de l'action collective, donc à plus forte raison dans le plus petit collectif qui soit, qui le couple. C'est des choses sur lesquelles, en fait, pour le coup, ça, voilà, c'est ma trajectoire qui est très, là, pour le coup, qui est très différente de la tienne. C'est vrai que cette imbrique, il y a une image plus grande qui serait justement ou en tout cas le fait que ça se fait. Moi, je lis très peu, en fait, voire quasiment pas, en fait, d'ouvrages. Directement, alors j'ai pas lu les livres de Mona Chollet, je lis pas en fait ce qui sont maintenant des grands noms qui sont attaqués un peu à ça, sous ces prismes-là, sous ces angles-là. Pas d'ailleurs, je trouve que ça m'intéresserait pas. Hein. C'est aussi des choses qui me sont tombées à un moment en fait, presque un peu par hasard, hein, et que c'est en recoupant ces sources-là, etc. Mais je. Ouais, j'arrive pas à penser ce problème de l'amour à la resituer dans un, tu vois, dans un. Ça c'est plus dans ton domaine. Moi, je sais très bien que je suis pas là-dedans. C'est pour ça, même je pensais tout à l'heure, tu vois, entre le discours très articulé de ton ami Aurélien, tu vois, et puis même toi, ce que tu arrives à, je sais, enfin, ce qui t'intéresse visiblement en ce moment d'articuler aussi entre le après. Cette longue croix politique, voilà, de revenir à. Moi, je sais que c'est voilà, c'est quelque chose que. Moi, c'est de la bricole, quoi. C'est vraiment des choses. C'est vraiment des choses. Frozy Bimbin, je sais pas qui c'est, une pizza chef. Il y a des commentaires que je découvre. J'aimerais savoir Je sais faire pas une qui bonne c'est. pizza. Mais. Ouais. Allô, tu m'entends? Comment? Ouais, vas-y, vas-y. On a un petit décalage, mais vas-y. Non, donc voilà, donc c'est vrai que moi j'ai avancé à chaque fois dans cette question-là à ton avec uniquement les choses qui me tombaient sous la main par rapport à d'ailleurs à des recherches tout à fait extérieures à ça, quoi. C'est-à-dire pour moi ça n'a pas du tout été sorte de recherche active quoi. J'ai écrit un livre sur Rocky, la saga Rocky de Stallone, et comme ça a duré 5 ans, ce livre, en fait, l'écriture de ce livre, c'est vrai que ça a amené. J'ai pris le temps parce que j'avais envie de le prendre quoi. Ça a amené, en tout cas, c'est vrai, tout un tas de références qui très très hétérodoxes qui sont arrivées. Qui sont arrivés un peu par hasard et qui en fait provoquaient des échos très intéressants parce que j'aime bien voilà dans la pensée le côté hétérogène, mais c'est vrai que en soi c'est pas du tout une recherche moi que j'ai active. Oui, je te dis, c'est toute cette petite truc de causalité entre un film de Alain Resnais intègre vraiment la parole de Laborie de manière documentaire à une fiction absolument créée, au point que même la parole de Laborie ait l'air de faire partie finalement ou d'avoir été aussi scénarisée en fait tellement d'ailleurs quelqu'un qui avait un vrai talent comme ça d'orateur aussi donc avoir été scénarisé par René donc ça m'a beaucoup plu. Voilà après en creusant en découvrant ce petit livre, qui est un livre très beau, puis c'est ça aussi que je voulais dire. En dehors du livre de Barthes, il y a un livre qui est un petit peu, qui je pense quand même aussi dans le milieu intellectuel, a
un petit peu date, c'est notre éloge, c'est l'éloge de l'amour de Badiou. Donc il y a l'éloge de la fuite, de l'aborie. Moi, il y a très long, pas très longtemps, il y a au moins 3-4 ans ou plus, j'avais grâce à Steven, je crois qu'il m'avait, mon frère qui l'avait aussi mis dans les mains, j'avais lu Éloge de l'amour de Badiou, qui est un petit livre très court aussi d'entretien. C'est ça qui est très intéressant aussi, d'ailleurs. Pas d'ailleurs que je lise beaucoup Badiou en dehors de ça, mais voilà. Et je prends le temps dedans, il y a des choses qui ne rentrent pas du tout dans ma vision, mais encore une fois, c'est assumé. C'est assumé, quoi. Comme la Borie, encore une fois, c'est l'alpha et l'oméga de la pensée. C'est juste que c'est un point de vue vraiment pertinent sur certains points, avec des contradictions et des faillements qui, moi, me dépassent, parce que je sais que j'ai pas le bagage politique et théorique pour le confronter. Ouais. Intéressant d'avoir ces deux discussions, à la fois tout à l'heure l'entretien avec Aurélien, où on s'est, pour le coup, on s'est intéressé au phénomène amoureux, stricto sensu, avec des références, avec aussi des approches qui sont situées historiquement dans des courants de pensée, dans des courants philosophiques, mais aussi ce qu'aborde de façon très très large la Borie, c'est-à-dire les autres composantes de ce qu'on appelle l'amour, hein. Il y a le sentiment en lui-même, amoureuse, le désir, tout ça. Et puis, il y a toutes ces implications, ces inspirations qui nous viennent. On parle beaucoup de données biologiques, mais il parle beaucoup du système nerveux, c'est normal, c'est son domaine. Et puis aussi, il y a ce qu'il appelle la socioculture, c'est la structure. Alors ça, il l'effleure, mais il y a un champ immense. Il est évident que même si l'amour se déroule entre deux êtres ou trois êtres, j'en sais rien, peu importe les modèles, eh bien, il est quand même connecté. Ces deux êtres sont quand même connectés à un environnement, à la fameuse niche environnementale, pris au sens très large du terme. Et il me semble qu'aujourd'hui, vu si on prend par exemple la situation en France, une situation qui s'est tendue, qui s'est beaucoup tendue politiquement, qui fait en sorte que les positions, les partis soient très affirmés, soient de plus en plus tranchés, de plus en plus distincts, avec en plus une forme de marasme politique et social, plutôt une espèce de musique de fond angoissante de « mais qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la gueule ?»« Quelle dégradation on va encore subir ?» ou « quel grand dans la violence on va encore... » on va encore franchir, il est évident que ça a une implication aussi jusque dans l'outil. Donc je pense qu'il faut arriver à tout tenir. Alors moi, j'y connais rien en neurosciences, je suis plutôt méfiant sur les neurosciences en général, même si je conçois tout à fait qu'il y a des choses utiles et intéressantes à prendre dedans. Donc le plan biologique, le plan sociopolitique, et puis le plan purement, c'est quoi le phénomène amoureux, comment il a été vu à travers l'histoire, qu'est-ce qui se déroule quand cet événement survient, comme disait Aurélien, hein, l'événement amoureux. Et j'essaye, moi, en tout cas, dans ma recherche qui est tout à fait personnelle, donc là je l'extériorise parce que le feu sacré me donne un espace et j'en suis tout à fait content. Je l'extériorise, mais c'est une recherche là qui est purement personnelle, qui est même pas dans... Il ne s'agit pas pour moi d'écrire un bouquin ou d'écrire un essai là-dessus, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas du tout ce projet-là. C'est juste une interrogation, ça, j'arrive à un moment de ma vie. Et là, pour le coup, je peux être touché par la phrase de Laborie qui dit que l'amour, si on ne le pense pas, si on ne réfléchit pas à ce qu'on est en train de faire, eh ben, il peut justifier absolument tout et n'importe quoi. Et il a servi à travers l'histoire à justifier absolument tout et n'importe quoi, que ce soit au niveau politique, au niveau notamment des rapports hommes-femmes, par exemple. Les pensées féministes que j'ai citées précédemment l'ont bien dévoilé. J'en suis là, dans une espèce de recherche personnelle, et je suis content d'avoir des potes autour de moi qui s'intéressent un peu au sujet et avec qui je peux échanger. Bon, moi, pour l'instant, c'est vrai, tu as raison, Warren. Pour l'instant, j'avais surtout réfléchi à l'aspect sociopolitique, parce que c'est quasiment devenu mon taf, et que je dans une perspective sévienne, hein, pour revenir à Lucien Sèvres, philosophe marxiste Lucien Sèvres,
Cette articulation entre individu et collectif m'intéresse tout particulièrement. Je suis clairement dans un courant qu'on peut qualifier de communiste, sauf que je suis aussi quelqu'un qui a une pratique artistique et qui croit aussi à l'importance de l'individualisation. Et du coup, voilà, moi je connais surtout cet aspect. Je trouve qu'il est, bien sûr, il est assez pertinent quand on parle d'amour, il a une influence énorme là-dessus. Hein, c'est la mission environnementale, comme disait Laborie. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses que j'ai jamais pensé. Et donc, aujourd'hui, je démarre ça, et ça fait quelques mois hein, que je réfléchis à tout ça, en allant derrière, non pas, c'est pas une quête pour enfin trouver l'amour qui sera durable, le vrai amour, le machin, serein, machin. C'est pas ça, mais justement, bah, comme dit Henri, je veux penser l'amour pour pas qu'il justifie toutes sortes de conneries, y compris dans ma vie intime. Voilà. Celui-là. Ouais, mais et moi, c'est pas la pression que j'avais, de toute façon, même quand on a discuté, on discutait de ça, hein, de toute façon. Du tout, je pense pas, encore une fois, qu'on le pense pas du tout avant un moment où tout d'un coup on se pose la question, quoi. C'est enfin, j'arrive pas à me dire en fait que c'est comme ça, éventuellement, ça fonctionnait pour toi, je pense pas, mais bon, c'est une. Bon, en tout cas, moi, j'ai très envie, en fait, d'avoir des nouvelles d'Aléric de Gans par écrit. Bah écoute, un des enjeux de tout ce travail réflexif et presque prospectif, c'est comme en boxe, on réunit les ceintures, tu vois, entre les différentes fédérations. J'aimerais bien, non pas que je me sente champion d'une catégorie, mais j'aimerais bien réunir en tout cas les fédérations, ma fédération politique et ma fédération artistique, et enfin les tenir ensemble, réunir les deux ceintures. Parce que finalement, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. J'adore ce dans quoi j'étais embarqué, le militantisme, à la fois dans l'écriture politique et dans la pratique de terrain. J'adore ça, vraiment. Mais c'est quelque chose qui tout seul, je sais pas comment dire. Humainement, c'est difficile. C'est aussi beaucoup de bonheur, mais c'est ce que disent les parents en général. Ah, c'est beaucoup de bonheur. Putain, on en chie. Hein. Non, mais la politique, c'est pareil. Donc, j'ai envie de revenir à l'artiste. Parce que l'aspect émotionnel, qui est évidemment lié au questionnement amoureux aussi, entre autres, l'aspect émotif m'intéresse à travailler. Et dans la politique, on le vit, l'aspect émotif, on le vit sur le terrain. Dans le militantisme, on a des émotions incroyables. Mais par contre, dès qu'il s'agit de réfléchir, il faut au contraire. Voilà, écarter un peu les motifs pour être dans une forme d'hyper-clarté, d'hyper-rationalisme, voilà, un truc très, très carré. Et à terme, moi, j'en ai, enfin, moi ça me bute, quoi. Ça me bute. Donc, oui. Alors, Eric au feu sacré, ben, je sais Alors, pas. tu sais, Vas-y, vas-y. Eric au feu sacré, mais surtout, tu sais, ça me fait juste penser à un truc, c'est que c'était Pessoa, j'avais lu un petit peu, enfin, il y avait un fragment dans le livre de l'intranquillité de Pessoa qui parlait de ça, en fait, sur le fait que l'art était, en fait, pas du tout, était pas du tout exprimer sa sensibilité, était quelque chose, en fait, pour s'en défaire. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est quelque chose dont on a besoin pour, en fait, la vie, l'idée. Pour ça, on va réfléchir, quoi. C'est-à-dire que cette sensibilité qui serait sinon une espèce de poids mort pour la plupart des gens, c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit en plus que, enfin, qu'il y a une explosion des gens qui veulent écrire aussi, quoi. Beaucoup plus que des gens, enfin, ou des gens qui veulent faire des films, etc. Mais il y a ce truc de vider la sensibilité pour pouvoir continuer à fonctionner, quoi. Et voilà, et ça, c'est quelque chose que je trouvais très, parce que c'est pareil, c'est une pensée qui peut paraître dure et brutale, mais qui, moi, je trouve, est pleine de bon sens et pas du tout, en fait, bah oui, qu'effectivement, peut-être qu'on est aussi sensible aux œuvres, ou dans des œuvres littéraires, qu'elles soient d'ailleurs même des essais ou tout ça, parce que ça nous. Une fois que la sensibilité elle est là, elle est en plus
construit plus harmonieusement par le langage écrit, elle nous permet peut-être en fait d'être des êtres humains pas aussi à la hauteur de notre vie. Voilà. Ça dédouane aussi d'énormément de choses peut-être. Ça, c'est une question en fait que j'aurais aussi voulu, si on avait eu 5 heures de discussion avec lui il y a 2 jours sur les mille et une nuits, c'est-à-dire c'était aussi où on a pu l'écriture, il y avait ça. C'était cette idée finalement que voilà, la fiction nous empêche de faire en fait des mauvaises choses. Moi, je lui disais ça par rapport à... ou alors, c'est le postulat des mille et une nuits, c'est-à-dire avec le sultan et Sherazade qui, du coup, l'empêche de décapiter une vierge toutes les soirs. Mais je pense que si, ça peut être des fois une sorte de vrai... pour la plupart, pour beaucoup de gens, en tout cas, que moi j'ai connus, qui peuvent créer, c'est aussi une sorte de vrai feu vert, quoi. C'est-à-dire, on sent aussi qu'on peut tout d'un coup se permettre plus de choses dans la vie... chose pas chouette, parce que on a fait preuve quand même d'une vraie sensibilité exacerbée et cohérente et tout ça dans les écrits, quoi. Et enfin la praxis, quoi, aussi, hein, c'est la question de la praxis. Là, pour le coup, c'est la seule chose que je pourrais, on va dire, revendiquer politique, ça, quoi. C'est-à-dire c'est la praxis, c'est le rapport entre la théorie et la pratique, quoi, la différence entre ce qu'on écrit ou ce qu'on produit. Et comme discours, même si on ne fait pas des films, mais et ce qu'on fait dans la vie. Voilà. Et ce décalage-là est souvent, moi je le constate en tout cas, souvent énorme. Il est énorme, probablement, c'est certainement peut-être aussi par moi, hein, de toute façon. Mais ça, c'est une question que je trouve très intéressante. Et Pessoa, quand il dit, voilà, finalement, c'est pour se débarrasser de la sensibilité, en tout cas lui qui disait écrivait ou qu'on pouvait écrire, bah, je trouve ça très pertinent. Et on en revient à la. Boris, c'est plus que ces choses qu'on fait avec un subterfuge, avec une certaine idée derrière la tête, avec une certaine arrière-pensée, et évidemment toujours en notre faveur, qu'on peut à un moment, en fait, en surprise, ou en les reconnaissant, en les reconnaissant, on s'approche pour moi de ce que lui appelle cette connaissance qui peut peut-être amener à une imagination plus exacte. J'ai un ami d'ailleurs qui avait intitulé un de ses livres, qui était des portraits, Les maîtres de l'imagination exacte. Ben voilà, et il disait que l'imagination exacte, c'est l'expression de la réalité dans le champ de l'art. Donc l'imagination exacte, ça serait ça. Ça serait peut-être quelque chose aussi qui a une sorte de vrai parallèle avec la réalité, avec sa propre réalité à soi. C'est-à-dire d'arriver vraiment en fait à être à la hauteur finalement de ce qu'on produit, de ce voilà. Oui, ça serait quelque... c'est un truc assez. C'est apaisant finalement dans la lecture de Laborie. C'est cette idée que il faut essayer de savoir ce qu'on fait, en tout cas. En société idéale, il n'y aura pas d'amour idéal, il n'y aura pas de couple idéal, il n'y aura pas de système politique idéal. Ça, moi j'y crois volontiers. Hein. C'est une évidence. Toute interaction humaine et notamment toute collectivité humaine contient de la violence sociale. De la friction sociale, et il s'agit d'en avoir un pour l'euphémiser. Voilà, on ne peut pas la faire disparaître, je n'y crois pas du tout. Et la Borine, c'est plutôt intéressant. J'ai l'impression que le live est en train de ramor, là. L'ordi doit décéder. Mais oui, ça c'est... Ouais. Et... Non, mais tu sais quoi, je voudrais te lire un... Vas-y. Je voudrais te lire éventuellement quelque chose que j'ai retrouvé là en même temps que je t'écoutais, justement de cet ami là qui a écrit les mémoires. Je sais pas si c'est pas très long, mais je trouve ça vraiment beau ce qu'il avait écrit. On m'entend bien? Très bien. Ok. Il a écrit: non pas être illuminé par la vérité de l'amour, vérité avec un grand V, se transformer et radicalement. Mais se transformer peu à peu tous les deux dans l'alternance de la tendresse et de la véridique. C'est ça la parésia, védiction, dire la vérité à l'autre, pas tout le temps, de manière totale et blessante, dans le fantasme d'une transparence, d'une transparution totale, mutuelle, peu à peu. En résumé, parce que nul n'est égal à lui-même, parce qu'il y a toujours une
entre nous et nous, la faille que nous pouvons nous aimer et que nous sommes libres. L'amour, le véritable amour, ce n'est pas cette niaiserie romantique qui prétend que deux personnes peuvent fusionner, qu'une, avoir tout en commun, vivre définitivement en paix. Le véritable amour est tout le contraire de la fusion et de la pure satisfaction narcissique. Le véritable amour est du côté de la faille. Non seulement il ne fusionne pas deux en un, mais en outre, il met en danger. Il ébranle la pseudonymité, ouvre la faille intérieure, il agrandit la distance entre moi et moi-même. Il m'ébranle, me plonge dans l'étrangeté enivrante, l'incertitude entre moi et moi-même. Donc la faille entre moi et moi-même, et la faille entre toi et toi-même, qui parlent d'entre elles, qui s'étirent, qui jouissent. C'est le mariage de nos manques, de nos incertitudes, de nos angoisses. Et de ce mariage naît une force nouvelle, un accroissement réciproque de nos forces dans l'assomption de nos faiblesses. L'assomption, c'est-à-dire le fait d'assumer, de prendre conscience et de prendre acte. Voilà. Et c'était Bruno. Bah écoute, je trouve que c'est une belle conclusion à cette discussion. Je me rappelle, oui, tu m'avais envoyé ce texte. Et je me rappelle aussi que moi, le premier que j'ai lu de toi, Warren, c'était l'histoire, je sais pas, on va dire de rencontre amoureuse dans une brasserie. Je sais pas si tu te souviens de ce texte que tu avais envoyé pour la micro-revue de Marius que j'avais monté, notamment avec Arthur Lowe et d'autres camarades. Donc, bah voilà, on reste sur notre fil, c'est cool. Absolument. Bah merci Warren d'avoir participé aussi à ce live, parce que tu en as fait d'autres. Merci. Au plaisir de. Aurélien Bis, du coup, c'est la troisième fois, je le répète, tout ça est absolument faux depuis le début. Bien sûr, il n'y a pas autant d'Aurélien, ça n'existe pas. C'est une mystification. Merci tout le monde, merci aux gens qui m'ont suivi et qui nous ont suivis, parce que j'étais pas tout seul depuis 2h54. Je vous incite évidemment à regarder les prochaines émissions. Il doit y en avoir une, il y en a tout le temps maintenant, c'est devenu quasiment comme la télé hertzienne. Et j'espère que le flux va continuer encore longtemps et que je serai très ravi d'y participer à nouveau. Longue vie au flux, je vous balance le générique. Et la fin. Ciao tout le monde. Pour être honnête, j'ai pas fait autrement. Ma haine n'a pas su cicatriser. La musique, jamais je sais ce choix dedans. Contre-avéreux veulent me faire signer. Personne t'aimera comme moi, m'a dit maman, si ce n'est le joint que je vais rouler. Qui m'aura oublié mes chances de ce monde, le diable et son fils s'est bien roulé. Très loin des maisons de disques, mais près de mon public avisé. Très loin des vents des chiffres, mais près de la musicalité. Regarde dessus, il n'y a plus de nuages, la pluie ne risque pas de tomber. Regarde mon cœur, il n'y a plus de grillage, mais personne ne risque d'y entrer. L'absence de lumière fait que je suis dans le noir. On se dit frère, on fume quelques noix. La mégette, ça m'attriste beaucoup. La voix des anges, ça moi, celle des vautours. J'ai peur dans mon cœur, il me porte l'œil. Tu es le gars, j'ai fait le deuil. Ce mec me dit qu'on est ensemble, mais en cas d'échec, je serai tout seul. Sperme dans la bouche, elle aime le goût du risque. Elle croit pas en moi, mais veut être sur la liste. J'ai qu'un seul amour, c'est la chanson. Solitaire, je n'ai pas besoin d'attention. Enfermé dans cellule, je dessoule. Je reprends conscience de mes soucis. Dans son vagin, je me défoule. À chaque je t'aime, je me débrouille. Pour elle, je suis autre chose que Damso. Elle voit en moi ce que je ne vois plus. Métissé comme touche de piano. Entre le vivre et le vécu. Je fais un lèse eucharistique. Je suis entre sucré et salé. Le diable se cache derrière l'artistique. Au milieu de la musique, je t'ai parlé. L'absence de lumière fait que je suis dans le noir. On se dit frère, on fume quelques noix. La méchanceté, ça m'attriste beaucoup. La voix des anges, c'est moi, celle des vôtres.